1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça va? Est-ce que là-bas, tout au fond, vous m'entendez bien? Ouais, ça va? C'est sûr, hein, parce qu'il y a des gens un peu loin. Je vous rassure, je ne vais pas parler comme ça tout le temps. Hein. Je sais que ce n'est pas très agréable. C'est juste que comme je suis un peu émotive, j'ai la voix qui monte vite dans les aigus. Ce n'est pas super agréable à écouter. Alors, j'ai une copine qui fait du théâtre et qui m'a filé un truc, qui m'a dit... tu fais des exercices comme ça, tu mets bien ta voix dans le masque et à un moment donné, tu lâches ton nez et ta voix, elle est normale. Ouais. L'avantage aussi, c'est que comme je suis ridicule tout de suite, eh ben, au moins après, ça y est, on est entre nous, tout va bien, quoi. Donc, je vais essayer de lâcher. Ben voilà, ça a l'air de marcher. Merci. Donc, bonjour, je m'appelle Stéphanie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ma démarche n'est pas de très bonne qualité. En fait, c'est à cause de mon travail. C'est parce qu'un jour, à mon travail, ils ont apporté un tapis roulant, comme ça, incliné vers le haut. Et puis, ils nous ont demandé de nous mettre tous en file indienne à la queue leu-leu. Il y avait une cale derrière pour pas qu'on puisse retourner en arrière. Et puis, on devait pousser une grosse roue. Alors, c'est la roue de Deming. C'est une méthode de résolution des problèmes. Alors, c'est une méthode de résolution des problèmes que tu n'avais pas avant qu'on t'apprenne la méthode pour les résoudre. Et puis, c'est une méthode de résolution des problèmes qui considère que, de toute façon, si tu as un problème, c'est que tu as fait un truc de travers, parce que dans la vraie vie, des risques et des problèmes, il n'y en a pas, quoi. Alors, moi, j'en avais un problème, quand même, c'est que, dans mon métier... J'avais appris que ce qui compte, ce qui est important, c'est de prendre des positions, c'est-à-dire de se mettre à un endroit où c'est utile, pas forcément toujours pratique, mais utile, de tenir des positions, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi tu es là où c'est pas super pratique, et puis surtout de bosser en équipe avec tes collègues. Alors en fait, quand tu es sur un espèce de tapis roulant comme ça, qui s'arrête pas, qui monte à la queue leu-leu, et que tu essayes de continuer à tenir tes positions, et à expliquer à tes collègues comment tu tiens tes positions et pourquoi tu les tiens, mais au bout d'un moment, tu te casses la gueule. Moi, je travaillais pas à l'usine, hein, pas du tout. Non, moi j'étais monitrice éducatrice. J'ai travaillé 10 ans dans un foyer de vie avec des adultes en situation de handicap. Alors, on dit en situation de handicap... Parce que là-dessus, la société, elle est assez honnête, je trouve. Elle se rend bien compte que comme l'espace public n'est pas construit pour que tout le monde soit accueilli de manière égale, eh ben, y a des gens que ça met en difficulté. Ah, il y a Régine qui arrive. Bonjour Régine. Salut Monique. Sur vos applaudissements. Installez-vous. Donc, vas-y. Oui, en plus. Donc la société, elle se rend bien compte qu'elle n'est pas en capacité, qu'elle ne sait pas faire pour accueillir tout le monde de la même manière. Donc elle considère que ça met les personnes en difficulté, donc ils sont en situation de handicap. Ce qui veut dire que potentiellement, si la norme c'était d'être, autiste, trisomique ou obèse, peut-être ça serait les autres qui seraient en situation de handicap. Ça, j'en suis même pas sûre, parce que peut-être ils auraient une autre manière de gérer l'espace collectif. Moi je travaillais en foyer de vie, donc foyer, qu'est-ce que c'est? C'est un établissement du médico-social. Foyer, c'est pas compliqué à comprendre. Le foyer, c'est la maison. C'est l'endroit où on se sent en sécurité. C'est notre espace de vie. La vie, il faut quand même qu'on se mette d'accord. C'est quoi être en vie? Il y a des gens qui vont considérer que si on respire, ça suffit, on a en vie. Mais la vie, est-ce que c'est pas aussi avoir des émotions, avoir des ressentis, des sentiments, des désirs, puis des accidents aussi qui transforment la vie en parcours de vie? Puis ça veut dire quoi quand tu es un adulte handicapé et que tu vas vivre dans un établissement du médico-social? Et puis quelle responsabilité on a, nous, en tant qu'accompagnants, d'accompagner correctement toutes ces vies? Alors moi, quand j'avais 17 ans, j'ai passé le BAFA. Le BAFA, c'est un diplôme qui permet d'accompagner, de faire de l'animation avec des enfants.
Et j'ai passé le BAFA dans une asso d'éducation populaire qui s'appelle les CMEA. Et alors au CMEA, quand tu vas passer le BAFA, on ne te file pas des recettes avec tes journées d'animation calées. On te dit non, attends, c'est toi qui inventes, quoi, t'es acteur de ta formation. Et puis quand tu fais de l'animation avec des enfants, ils rentrent pas le soir chez eux avec le petit cendrier en terre, le collier de nouilles, le tableau avec des trucs collés dessus. Non, ça c'est pour montrer aux parents que t'as pas glandé toute la journée en fait, que t'as été productif. Quand tu fais de l'animation avec les CMEA, ben, t'accompagnes ce qui se passe, quoi. Tu pars de l'envie des enfants et puis tu construis avec eux sur une journée. Pour moi, c'était ça la qualité dans l'accompagnement. Puis d'ailleurs, moi je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est pas compliqué. Imaginez que je vous donne le choix entre aller vous balader dans une forêt un dimanche d'automne, ramasser des champignons, rentrer chez vous et faire une omelette pour inviter vos potes à la partager, ou alors ouvrir une boîte de champignons de Paris et les mélanger avec de la poudre d'œuf. Ben, qu'est-ce que c'est qu'il y aurait un parfum de qualité de vie? Moi franchement, enfin, je sais pas vous, hein, mais moi, c'est la première solution en fait, ça paraît hyper logique. Eh bien, pas pour les inventeurs de la démarche qualité. Les inventeurs de la démarche qualité, eux, ils pensent que la qualité, c'est d'avaler une pilule aromatisée à l'œuf. On enlève le champignon parce que c'est de l'esprit naturel, alors que l'œuf, on peut l'avoir en parfum de synthèse, c'est parfait. Le truc, c'est que les résidents qui sont accueillis en institution, en foyer de vie, eux aussi, ils préfèrent aller ramasser les champignons dans la forêt, puis rentrer, les cuisiner et partager avec les copains, parce que bah, il n'y a pas d'enjeu, en fait, c'est un moment de vie partagée, c'est valorisant. Mais le problème, quand tu vis en institution, c'est qu'avant de pouvoir manger une omelette aux champignons, bah, faut respecter tout un tas de procédures. D'abord, faut demander l'autorisation au directeur. Et puis, il y a même certains directeurs très scrupuleux qui te demandent l'écriture d'un projet CEP. Et ouais. Ensuite, il faut vérifier que ben, le jour où tu veux aller acheter ta bouteille d'huile et tes œufs en ville, ben, tu as bien un véhicule qui est disponible, parce que les structures pour les personnes handicapées, elles sont pas en plein milieu du bourg, hein. Elles sont souvent un peu à l'écart, dans la nature, dans la forêt, parce que ben, c'est mieux, c'est plus calme. Il faut aussi vérifier que EDF n'a pas décidé de couper l'électricité pour faire des travaux sur les lignes, parce que tu peux chercher, hein. Tu ne trouveras pas une bouteille de gaz à 5 km à la ronde, parce que le gaz c'est hyper dangereux, ça peut exploser. Le nucléaire, tout le monde sait qu'il n'y a pas de souci. Le temps que tu aies respecté toutes les étapes, la plupart du temps, tes champignons, ils sont bons à faire sécher. Mais quand même, il faut évaluer ce que tu viens de ne pas faire. Mais attention, avec des critères précis, pas n'importe comment. Hein. D'abord, est-ce que tu t'es assuré de la sécurité des résidents en ne les laissant pas s'approcher des plaques chauffantes pendant que tu cuisinais? Est-ce que tu as fait attention à leur sécurité alimentaire en ne les laissant pas manger ce que toi-même tu venais de cuisiner? Mais il y a plus important. Est-ce que tu as respecté leur liberté d'expression en leur laissant la possibilité de choisir eux-mêmes entre une bouteille d'huile d'olive ou une bouteille d'huile de tournesol? Ben ouais. C'est hyper important de respecter la parole des personnes handicapées consommatrices parce que c'est ça qui montre leur inscription dans la société. Ben ouais, c'est drôle, ça fait rire en fait. Ça fait rire, mais en fait, moi ça me fait pas rire. Là je vous le fais gentiment avec ma petite botte, ma petite métaphore, ma petite planche. Je suis éduque, donc moi j'ai appris à accompagner les gens, à prendre soin d'eux, à pas leur faire violence. Mais là je suis pas là pour ça en fait. Alors ça veut pas dire que je vais vous taper dessus, non, tout va bien, hein, mais... Mais en fait, là, moi, je suis venue vous raconter ben, à quel point ça a été violent quand la démarche qualité elle, est arrivée dans mon métier. Ce qui a été violent, c'est qu'on n'a pas réussi à s'opposer à ce qui se passait. Moi, j'avais appris pourtant à me battre depuis longtemps. Ce qui a été violent, c'est de voir cette espèce de rouleau compresseur. Là, on disait ça, il y a un rouleau compresseur qui arrive. Et puis de ne pas savoir comment faire pour collectivement lutter contre ce que ça venait démonter dans nos métiers. Alors je me dis peut-être on ne s'est pas posé les bonnes questions parce que quand il y a une machine comme ça qui arrive sur toi, normalement tu te demandes qui c'est qui est aux manettes. Mais on n'a pas réussi à faire ça. Moi à force de réfléchir, je me suis dit que ben, ça c'était un truc qui était piloté par le système capitaliste en fait, qui était pensé et organisé pour qu'on puisse venir démanteler les métiers et qu'on ne puisse pas s'opposer à la marchandisation des services et des personnes.
Ça, c'était hyper violent. Ce qui a été surtout super violent, c'est que c'est allé à tel point que moi, j'étais obligée d'arrêter de faire ce métier-là. Et c'est ça que j'avais envie de venir vous raconter ici. Alors, si ça vous va, hein, voilà, c'est possible que non. vous raconter comment je suis devenue éduque et puis pourquoi j'ai arrêté de l'être. Vous raconter aussi comment la démarche qualité, elle détruit les métiers. Alors, ça va durer un petit moment, hein, je dis pas combien de temps parce que je suis plus très sûre, mais... je voulais vous dire qu'il y avait un questionnaire de satisfaction à la fin. Et que pour les personnes qui auraient vraiment pas aimé ou qui seraient vraiment pas d'accord avec moi, ce qui est possible, hein, vous pouvez y aller. Parce que les questions, elles sont tournées de telle manière qu'il en sortira que le positif. Donc allez-y, lâchez-vous, il n'y a pas de problème. Alors pour venir vous raconter cette histoire, je me suis remise un peu en sécurité. Je suis retournée dans l'atelier jardin que j'animais au foyer. Et puis je ne suis pas venue toute seule. Je suis venue avec les résidents, certains résidents. Donc il y a Vasco. Et puis il y a Marguerite. Il y a Pierre-Edouard aussi. Et puis il y a Linda. Oups. Et bien alors, Linda. Il y a Kader. Il y a Joël. Et puis il y a Colette. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Dans le cadre de l'amélioration des pratiques des publics, je vais vous demander de procéder aujourd'hui à votre auto-évaluation. C'est pas compliqué, mais il faut suivre un protocole un peu strict. La première chose, c'est qu'on va avoir besoin de quelqu'un qui se désigne en tant que référent qualité. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien s'engager ? C'est une démarche volontaire, mais c'est pas un problème, parce que si jamais personne n'est prêt à y aller, je peux moi-même désigner le volontaire. Donc, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a envie de prendre en charge cette responsabilité. C'est pas très compliqué, puis on a un protocole très clair, je vais vous expliquer. Hein. Oui, c'est quoi ton nom ? C'est Anthony. D'accord, bonsoir Anthony, merci beaucoup de ton engagement. Avec plaisir. Bon, l'entreprise te revaudra ça. Le référent qualité, son rôle, c'est d'organiser l'évaluation du public. Donc, ça va être à toi qu'il va incomber de faire des groupes et d'animer ces groupes-là. Avant de commencer, je vais te lire des consignes pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc, ce sont quelques conseils à destination du référent qualité pour une pratique exemplaire de l'auto-évaluation. Donc, écoute bien. Posez les questions à haute et intelligible voix en ménageant des pauses d'au moins 2 secondes entre chaque phrase. C'est bon ? Prendre une voix monocorde afin de ne pas influencer les réponses du groupe. Vous assurez au préalable que votre crayon B2 est bien taillé afin de ne pas perdre de temps à cocher les réponses. Être attentif. Pendant que le consultant énumère les conseils à destination du référent qualité pour une pratique exemplaire de l'auto-évaluation. Se saisir du document une fois que le consultant a terminé et attendre le signal pour proposer les items. J'ai terminé. Alors je vous ferai signe à des moments clés et ça sera à vous de proposer les items. Je vous demanderai de ne pas lire avant parce que ça dénature un petit peu la démarche. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, quand même, je voulais rétablir une vérité. Il y a plein de gens qui pensent que le mec qui a inventé la conférence gesticulée,
C'est un type qui s'appelle Franck Lepage, dans une scope obscure, un peu le pavé. Voilà, et ça c'est complètement faux. Parce que moi, le mec qui a inventé la conférence gesticulée, je l'ai rencontré pour de vrai, et c'est quelqu'un qui s'appelle Alain Desjardins. Bon, c'est pas tout à fait vrai non plus, parce que la première personne que j'ai entendu faire des conférences gesticulées, c'est mon grand-père. Mon grand-père, il nous racontait la guerre à tous les repas, et puis il nous expliquait surtout ce qu'on devait penser de cette société décadente en perte de valeur. Bon, mon grand-père, il faisait pas vraiment des conférences gesticulées, parce que la conférence gesticulée, c'est plutôt un truc de gauche. Et mon grand-père, il n'était pas vraiment à gauche, il était même plutôt carrément à droite. Ce qui n'était pas le cas d'Alain Desjardins. Alain Desjardins, lui, il était à gauche. Et Alain Desjardins, je l'ai rencontré parce que, à 18 ans, je suis partie de chez mes parents de manière assez brutale et radicale. J'ai pris un appartement dans la ville à côté et j'avais pas d'argent. J'avais juste l'argent pour payer le loyer. Mais j'avais une copine qui était militante chez les Verts et qui m'a proposé de faire le ménage dans leur local pour gagner 3 sous. Et puis un jour de printemps, elle me dit « Bah, c'est bientôt les élections européennes, on a la tête de liste qui vient faire un meeting, est-ce que ça t'intéresse d'organiser le buffet ?» Donc moi je dis « Bah ouais !» Et je me retrouve un samedi matin à tartiner des toasts, à servir des coups à boire, à écouter tous ces gens-là, ça me faisait marrer là. La tête de liste des Verts, elle avait un énorme tournesol en plastique sur son tailleur. Là, je me disais, putain, au niveau du symbole, on peut peut-être faire mieux. Mais bon, je connaissais pas bien, en fait, les espaces comme ça. Et puis tout d'un coup, il y a un petit bonhomme qui arrive, tout frisé, les yeux tout bleus qui pétillent, une moustache et qui me dit, salut, je m'appelle Alain Desjardins. C'est mon pâté là que tu es en train de mettre sur le pain. J'ai une ferme sur le Larzac, on fait de la volaille, des fruits rouges et puis de l'accueil. Et moi, l'été, je cherche des gens pour venir bosser. Est-ce que ça t'intéresse? Alors moi, le Larzac, je ne sais même pas où c'est. La seule fois où j'en ai entendu parler, c'est au lycée, parce que j'avais un prof d'histoire-géo qui avait menacé un de mes copains de finir sa vie là-bas à élever des chèvres, tellement il foutait rien. Wow. Moi, ça ne me choquait pas. Je trouvais que c'était assez romanesque comme dessin. Je ne voyais pas trop un tel problème, mais bon... Et puis je dis, ouais, moi je veux bien, mais j'ai jamais fait ça, je sais pas si je saurais faire, quoi. Il me dit, mais t'inquiète pas, l'été, il y a plein de jeunes, t'apprendras vite, quoi. Et j'y suis allée, et c'était génial parce que tout de suite, j'ai eu l'impression de trouver ma famille. J'ai eu vraiment l'impression que c'était chez moi, cet endroit-là. C'était une grande ferme, une belle bâtisse du XIIe siècle, avec une immense salle d'allée. Au fond, il y avait une cheminée où on pouvait s'asseoir, une cuisine ouverte où on cuisinait à plusieurs, des grandes tables monastères, des bancs, et des gens partout. On accueillait tout le monde. Il y avait des gens en vacances, il y avait des gens un peu en errance qui venaient bosser puis qui repartaient, il y avait des gens en souffrance. Et puis c'était des militants. C'était des gens qui parlaient politique tout le temps, qui montaient des projets, qui allaient lutter pour des trucs, lutter contre d'autres trucs. Et puis moi, à l'intérieur de ça, j'avais une place. J'avais une utilité, c'était important que je sois là. J'accueillais les gens. J'accueillais, je faisais à manger, je mangeais avec eux, je me mettais là où ils avaient besoin, j'étais disponible. J'avais une vraie utilité sociale. C'était ma famille, quoi. Parce qu'en vrai, dans ma famille à moi, c'était pas comme ça. Dans ma famille à moi, c'était la guerre. Mon grand-père, à 18 ans, il entend l'appel du général de Gaulle, on est en 1940. Moi, je viens d'une famille de pieds noirs, donc ils vivent au Maroc, et c'est une famille où ils sont tous militaires de père en fils. Et mon grand-père, il entend ce truc-là, puis il va trouver son père, il lui explique que lui, il va aller s'engager avec De Gaulle pour combattre les Allemands. Et son père lui tend une arme en lui disant « Mais si tu fais ça, moi j'aime autant que tu te suicides tout de suite parce que j'ai plus de fils. » Parce que c'est Pétain à l'époque qui est le héros de la guerre, c'est pas De Gaulle. Mon grand-père, il écoute pas, il s'enfuit, il s'engage dans un régiment de spahis marocain, il contourne la France par l'Italie, il va se battre contre les troupes allemandes, et quand la guerre est finie, il retourne au Maroc. Là, il rencontre ma grand-mère, qui est pied noir aussi, fille de garagiste. Ils se marient et ils auront 5 enfants. Ma mère, c'est la 3e de la famille et c'est la dernière à être née là-bas. Quand elle a 4 ans, en 1956, ils déménagent en Algérie pour le travail de mon grand-père. Et en 62, ils sont rapatriés, juste 2 jours avant que leur maison soit plastiquée et explose. Alors, chez moi, les repas de famille, c'est la guerre. C'est la guerre parce que mon grand-père, il raconte la sienne. Mais c'est aussi la guerre parce que mes oncles, ils se sont inventés la leur. Eux, ils font la guerre aux étrangers. Tout le temps.
Donc ils font plein de blagues dégueulasses, racistes. Et puis, ils parlent que de ça, de comment les étrangers, ben, ils viennent prendre le travail des Français, comment ils profitent des allocations familiales. Et puis, c'est que des discours comme ça de haine. Ma mère, elle n'est pas d'accord avec ça. Mais ma mère, c'est une fille, et elle a appris que les filles, ben, ça ne se faisait pas remarquer. Et puis, ça ne remettait pas en question la parole des hommes. Alors, ma mère, elle se tait. Et comme elle se tait, moi, je parle. Et plus je parle... plus c'est la guerre, parce que plus je grandis et plus j'ai des arguments. Un jour, j'ai 11 ans, on est tous en vacances dans un camping en Ardèche, et l'homme d'entretien du camping, il s'appelle Rachid. Rachid, c'est un vieux monsieur qui a presque plus de dents, qui est tout ridé, qui parle pas très bien français, qui a un joli sourire, et tous les matins, il passe devant les caravanes, et puis il balaye les feuilles, il ramasse les poubelles, enfin, voilà, il entretient, quoi. Et mes oncles, ils sont tout le temps en train de se moquer de lui parce qu'ils trouvent que Rachid, il n'est pas très intelligent. En même temps, ils ne savent pas parce qu'ils n'ont jamais essayé de discuter avec lui. Alors moi, ça m'énerve et on se dispute. Le lendemain matin, quand Rachid, il passe devant la caravane, mes oncles, ils m'attrapent par les bras et par les jambes, ils me tirent vers lui, puis ils me disent, bah, tu vas l'embrasser, Rachid, puisque t'es pas raciste. Bah, vas-y, embrasse-le. Alors moi, je me débat, j'arrive à m'enfuir. Puis j'ai hyper honte. J'ai super honte parce que déjà je pense que Rachid il va croire que bah si je suis raciste puisque j'ai pas voulu l'embrasser. Et puis j'ai surtout super honte parce que je comprends vraiment pas pourquoi je suis née dans cette famille là quoi. Alain Desjardins, lui, à 18 ans, il s'engage chez les parachutistes. On est en 1954. C'est le fils d'un maraîcher de l'Oise, de la baie de la Somme. Son père, c'est un mec qui est hyper autoritaire et tyrannique. Alain, c'est l'aîné de 8 enfants. Et il n'a pas eu le droit de continuer l'école après le certificat d'études parce que son père avait besoin de main-d'œuvre sur la ferme. Et il en a marre, il ne sait pas comment s'en sortir. Et un jour, il passe devant la gendarmerie de son village et les gendarmes expliquent que bah, s'il s'engage dans l'armée, eh bah, il peut être émancipé, même s'il n'a pas encore 21 ans, qui est l'âge de la majorité à l'époque. Donc c'est ce qu'il fait. Il fait 2 ans d'école de sous-officier. Et à 20 ans, on l'envoie en Algérie. Parce qu'à ce moment-là, en Algérie, vous savez, il y a des opérations de pacification. Et ouais, parce que les Algériens, ils ont dit, bon, mais nous, on en a marre, on veut plus être français. Donc De Gaulle, qui est un grand démocrate, il fait un référendum, il consulte les gens, puis les gens, ils disent, bah non, c'est nul, il faut que l'Algérie, elle reste française. Donc il écoute le peuple, De Gaulle. Donc il envoie l'armée pour expliquer aux Algériens, ben que non, c'est pas une bonne idée du tout. Voilà. Ça, c'est ce que l'histoire nous enseigne, hein. Donc Alain, il arrive là-bas, il a 20 ans, et il voit bah, les viols, il voit les exécutions sommaires, il voit les passages à tabac, les tortures, et c'est pas possible. Il décide de pas obéir aux ordres, il décide d'essayer de dire à ses hommes de pas obéir non plus, mais c'est compliqué parce que la hiérarchie militaire, elle est très présente. Le soir, il discute avec un prêtre ouvrier et quelques camarades, ils essayent de trouver des stratégies pour pas cautionner ce truc-là, et puis ils se disent surtout que quand ils vont rentrer en France, ils vont parler, ils vont dénoncer. Et il n'a jamais arrêté de faire ça. Alors le soir, quand la moitié des gens est allé se coucher, il ouvre le placard, il sort les petits verres, l'agneau, on se pose en bout de table avec les derniers, et puis déjà il commence par écouter ce que les gens ont à dire, et lui il raconte. Alors il raconte l'Algérie, bien sûr, mais il raconte aussi les luttes auxquelles il a participé en France, il raconte la guerre des... la grève, mais c'est presque pareil. La grève des femmes des Nouvelles Galeries à Roubaix qui se mettent en grève parce que le matin, le contremaître, quand il arrive, il les fait s'aligner comme ça, il vérifie que la couture du bas est bien au milieu du mollet, et si c'est pas le cas, elles rentrent chez elles, elles sont pas payées. Il raconte aussi la lutte du Larzac. Je sais pas si vous connaissez la lutte du Larzac. Je sais pas s'il y en a qui ont été... T'en as entendu parler ? Ouais. Philippe, t'étais toi sur le Larzac ? Une fois. Toi aussi. Ouais, voilà. Il y a des gens qui ne connaissent pas du tout ? Ouais. Ben, je vais vous raconter alors. La lutte du Larzac, ça commence en 1971. À cette époque-là, on a un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Michel Debré. Et qui se dit que ça serait quand même vachement bien si le camp militaire qui est sur le Larzac, on l'agrandissait pour pouvoir faire plus d'opérations, d'entraînement et tout ça. Il se dit, bah, c'est pas un problème, on va le faire parce que de toute façon, le Larzac, personne ne sait où c'est, hein, effectivement. Et puis, il se passe rien là-bas. Il n'y a rien. Donc, il fait un décret qui dit que le camp militaire va être agrandi.
Le problème, c'est que sur le Larzac, il n'y a pas rien. Il y a des familles de paysans qui élèvent des brebis pour faire du lait, pour Roquefort, souvent. Et que agrandir le camp, ça sous-entend les exproprier. Alors, ce n'est pas des paysans politisés. C'est des gens plutôt traditionnels, hein, qui sont habitués à écouter l'autorité, à ne pas remettre en question, qui vont à l'église, enfin voilà, qui ne sont pas du tout des gens qui vont remuer. Parmi eux, il y en a quelques-uns qui sont partis travailler en Afrique dans des structures agricoles où on était plutôt sur des modes de coopération et qui reviennent sur le Larzac. Et puis, ensemble, ils discutent de ce truc-là, puis ils se disent « Non, c'est pas possible, en fait, on ne peut pas laisser faire ça ». Donc, ils sont 103 à signer un appel pour dire « Ben non, on ne se laissera pas exproprier pour l'armée, quoi ». Ce qui est génial, c'est qu'on est juste après mai 68 et que du coup, ils vont avoir un soutien... pas possible de tout un tas de groupuscules politisés, alors des gens qu'ils n'avaient jamais vus, hein. Il y a des maoïstes, il y a des marxistes, il y a des anars, enfin il y a des gens de partout qui débarquent sur le Larzac pour filer un coup de main. Ça va durer 10 ans. Pendant 10 ans, ils vont se battre contre l'armée et le gouvernement pour garder leurs terres et pas se faire exproprier. Et ce qui est génial dans cette lutte, c'est qu'ils vont inventer plein de modes d'action, et ce qui est surtout génial, c'est qu'à aucun moment, les groupes politisés, ils vont prendre la main sur les gens qui habitent là-bas. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de débats, beaucoup de contradictions, mais au final, la décision de faire ou de ne pas faire une action, elle va toujours appartenir aux gens qu'elle concerne en premier lieu. Ils font des trucs géniaux, hein. Alors, ils font une marche avec les brebis, ils vont sous la tour Eiffel, ils montent un GFA, c'est un groupement foncier agricole, ils vendent mètre carré par mètre carré toutes les terres qui sont dans le périmètre d'extension à des propriétaires partout en France, hein, en se disant bah, « le jour où il faut exproprier... » Ils vont galérer. Ils coupent les poteaux téléphoniques du camp jusqu'à la ville, ce qui fait qu'ils n'ont plus accès au téléphone. Ils vont piquer des documents confidentiels dans le QG du général. Enfin, ils n'arrêtent pas, quoi. En 81, il y a Mitterrand qui est élu. Ah oui, un truc important qu'ils font aussi, c'est qu'ils réinvestissent des hameaux qui avaient été abandonnés, ils réinstallent des paysans, ils construisent des granges de manière illégale pour que les gens puissent bosser. Ils se réapproprient l'espace, quoi. Et en 80, Mitterrand est élu, et Mitterrand, il avait deux grandes promesses de campagne, c'est que bah, il abolirait la peine de mort et qu'il annulerait le projet d'extension du camp. Donc il gagne la lutte. Mais il gagne surtout parce que les terres qui étaient sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Intérieur, elles passent sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Et elles sont données en gestion à la Société Civile des Terres du Larzac, qui est un groupe de gens qui vivent là-bas, et qui distribue les terres et les bâtiments à des personnes qui ont des projets agricoles, mais plutôt avec un peu des critères de respect de l'homme, de l'environnement, de l'homme et de la femme, attention, de l'environnement, des projets plutôt... Il n'y a plus de propriété privée, en fait. La personne, elle vient monter son projet, elle travaille, et puis quand elle part à la retraite ou qu'elle va faire autre chose, les terres, elles sont redistribuées autrement. Alain, en fait, il arrive là-bas parce qu'il a été responsable d'un comité Larzac. À l'époque, il habitait Boulogne, il a monté un comité Larzac, donc il fait partie de tous ces gens qu'on soutenu. Ça fait un moment qu'il cherche à revenir un peu à la terre, et en 83, il postule, et puis on lui attribue cette ferme avec ces terres-là, sur un projet agricole et d'accueil. Moi, cet endroit, j'étais censée y bosser pendant un mois, et j'y suis restée quelques années. Je pense que c'est là-bas que j'ai tout appris, en fait. Tout appris de mes outils d'ensuite. Voilà, après, je suis partie bosser un peu dans des mouvements paysans, un peu, enfin voilà, j'ai fait quelques trucs, et puis à un moment donné, je me dis quand même, ça serait bien que je trouve un vrai métier. Mais je suis bien emmerdée parce que j'ai 28 ans, je sais toujours pas ce que je voudrais faire quand je serai grande. Ouais. Je sais toujours pas ce que je sais faire, parce qu'en fait, tout ce que j'ai fait avant, je l'identifie pas vraiment comme métier. Bon, je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Moi, j'aime les gens, ça c'est sûr. Je vais faire une formation d'éduc. Parce que les éducs, forcément, comme ils s'occupent de gens un peu en difficulté, un peu cabossés, forcément, c'est des humanistes. C'est des gens qui réfléchissent, qui analysent, qui remettent en question, quoi. C'est pour moi. Donc je passe le concours, je suis prise, je vais faire 2 ans d'école. Puis après mes 2 ans d'école, il faut que je trouve un boulot. Bon, attention, parce que quand tu fais 2 ans d'école d'éduc, l'idée selon laquelle les éducateurs, c'est des gens qui réfléchissent, qui analysent, qui remettent en question, qui sont humanistes... C'est comme partout, en fait. Il y en a, oui.
Mais il y en a pas du tout. Du coup, moi, avec mon passé professionnel, je sais que quand même, il va falloir que je trouve une structure en capacité d'accueillir qui je suis. Parce que sinon, ça va pas le faire. On va pas pouvoir travailler ensemble. Et ça tombe bien parce que, le directeur de la structure dans laquelle je postule, je le connais, il est venu nous faire une intervention pendant la formation. Et ce jour-là, je m'étais dit qu'avec ce mec-là, on allait pouvoir vivre de belles aventures professionnelles. Et ça a été le cas, au moins pendant les premières années. Je pense que vous pouvez y aller pour le premier item. Voix monocorde. Les éclats de rire. Attends. Lisez bien tout parce que nous sommes dans une démarche transparente et bienveillante. Donc les gens doivent savoir ce qu'il y a sur votre papier. Rubrique 1. Merci. Hygiène corporelle et mentale. Très bien. Item numéro 5. Les éclats de rire sont collectifs, coordonnés, sur le même ton et de même durée. Réponse A, acquis partiellement. Réponse B, à améliorer. Vous avez le droit de vous concerter. Soyez sympa parce que le référent qualité, il est novice. Donc, ne lui alourdissez pas la tâche. Je pense que vous pouvez redire parce que je pense qu'ils n'ont pas bien compris quel était leur rôle. Les éclats de rire sont collectifs, coordonnés, sur le même ton et de même durée. Réponse A, acquis partiellement. Réponse B, à améliorer. A. Acquis partiellement. On est A. C'est la différence entre les deux, en fait. Alors, ne vous laissez pas troubler par les... Non, il y a une possibilité, pas du tout. Pas du tout non plus. Ne vous laissez pas troubler. Pardon ? Oui, mais ça va pas servir votre cause. C'est pas dans les propositions. Je suis désolée. Ne vous laissez pas troubler parce que, en fait, les contestataires, vous juste vous les ignorez. Ça ne sert à rien. N'oubliez pas que vous êtes chronométré. Et puis, qu'après la réponse, il faut proposer un axe d'amélioration parce qu'on peut toujours améliorer. C'est continu l'amélioration. Si c'est trop difficile, je vous propose qu'on y revienne plus tard. Bon, on va dire que c'est la première. Ah ouais, mais non, Vasco, mais il est super ton dessin, mais c'est trop compliqué, ça. Moi, je t'ai demandé si tu pouvais nous dessiner le toit de l'hôtel à insectes. Non, mais c'est génial, hein. Mais c'est une charpente que t'as fait. Moi, je suis pas capable de faire ça. Oui, je sais, je suis désolée. Hein. Moi, je suis éduque, je suis pas charpentière, je suis pas menuisière. Quoi, qu'est-ce qu'il a, l'hôtel? Oui, je vois bien. Oui, je vois que ça fait 3 jours qu'on est là, à clouer, déclouer, remettre, que c'est tout tordu. Mais tu sais quoi, Vasco? Moi, je trouve qu'il est génial, cet hôtel à insectes, parce qu'il nous ressemble, il est comme nous, il est tout penché, tout tordu. Il y a des coins, il y a des recoins. Moi, je préfère ça, plutôt qu'un truc où tu sais tout de suite ce qu'il va avoir à la fin, où il n'y a pas de surprise, où tu dois pas, tu vois, réfléchir, chercher. Et puis, ce qui est vachement important, c'est que, tu vois, là, on a pu le faire tous ensemble, ce truc-là. Mais tu veux pas, s'il te plaît, essayer de me redessiner un truc simple, qu'on puisse le terminer? Ouais, merci, c'est cool. Vasco, je l'accueille à l'atelier depuis qu'il est arrivé au foyer. Il sait plein de trucs. Il sait même plus de trucs que moi sur le jardin. C'est lui qui m'a expliqué, par exemple, que quand tu retournes la terre pour semer, si tu veux enlever les cailloux et les racines, eh ben, au lieu de mettre ton râteau avec les dents en bas, il vaut mieux le mettre avec les dents en haut. Comme ça, tu es sûr de ramener que les trucs qui te gênent, pas la terre. Et puis Vasco, il est incollable sur tout ce qui porte un uniforme. Des militaires, en passant par le mec qui ramasse les poubelles, par les pompiers, enfin, il est incollable. Il a plein de costumes comme ça.
Alors mes collègues au foyer, ils parlent toujours de ces perpétuels déguisements. Moi, ça me fait toujours bizarre parce que quand il vient à l'atelier Vasco, je le connais dans sa tenue de travailleur, son gilet avec ses poches remplies de clous et de bouts de ficelle. Quand je le croise au foyer, j'ai l'impression qu'il est caché. Ça me fait tout bizarre. Vasco, on sait qu'il a besoin d'espace. Il a besoin d'espace à remplir parce que sinon, il explose. Et quand il explose et qu'il est un militaire, c'est pas facile à gérer. Alors, il en sème partout. Dans sa chambre, c'est un espèce de capharnaüm avec des bidons, des morceaux de bois, des cailloux, des trucs qu'il ramasse partout. Et puis, il en met aussi un peu partout dans l'établissement. Alors, régulièrement, les éducs, ils vont vider la chambre parce que, putain, Vasco, si tout le monde fait comme toi, on s'en sort plus. Hein. Ça fait longtemps que Vasco, il demande à construire une cabane sur le grand terrain du foyer. Une cabane où il pourrait transporter une partie de son barda, puis jouer à qui il veut être. Une cabane aussi d'où il pourrait surveiller qu'il nous arrive rien de fâcheux sur la gueule, parce que quand tu connais son histoire, Vasco, tu comprends que pour lui c'est important de voir venir. Alors à l'époque, l'équipe éducative, elle avait bien entendu sa parole et puis elle l'avait relayée dans son projet personnalisé. Parce que quand même c'était important, Vasco il proposait lui-même une solution pour aller mieux, c'était vachement bien quoi. Mais bon, le temps qu'on vérifie, qu'on dérogeait à aucune règle, qu'on ne prenait pas trop de risques, que voilà, ça correspondait bien à tout un tas de critères institutionnels, et l'équipe éducative, elle a changé, puis la parole de Vasco, elle a été enterrée en même temps que sa cabane. Alors un jour d'été, il vient me voir à l'atelier, puis il me dit « Est-ce que ça t'embête si je construis une cabane là, dans le petit bout de friche ? On a un petit bout là que personne ne voit. Est-ce que je peux faire une cabane là ?» Moi, je dis, écoute, Vasco, c'est chez vous ici, moi, je vois pas d'inconvénient. Le seul truc, c'est que tu ranges les outils une fois que t'as fini, puis si t'as besoin des outils électriques, tu viens me chercher, tu fais pas tout seul. Parce que l'été, en fait, l'atelier, il se passe pas grand-chose, il faut aller remplacer les collègues sur les groupes, les résidents, ils partent en vacances, enfin voilà, il a de la place, il a du temps, quoi. Je repasse le soir, puis je vois que Vasco, il a bien avancé, il a commencé à faire des fondations, il a passé la moitié de la journée, il est tout content. Je pars deux jours. Et au bout de deux jours, je reviens et puis je passe à l'atelier et puis je vois plus rien. Alors je vais voir Vasco, il est en train de faire ses valises parce que lui aussi il part en vacances. Puis je lui dis, alors Vasco, la cabane, qu'est-ce qui s'est passé? Et là il me dit, l'éducatrice, elle m'a dit de tout demander parce que j'avais pas l'autorisation de la direction. Alors là, il y a une espèce de rage qui me monte. Et mon premier réflexe, c'est d'aller lui péter la gueule à l'éducatrice parce que de quoi elle se mêle? Le problème, c'est que si je fais ça, Vasco, il va devenir un enjeu de pouvoir et c'est pas cool. Alors ma colère, je sais pas trop quoi en faire, mais je la garde pour moi. Puis au mois de septembre, on accueille un film sur l'art brut et son réalisateur. Alors l'art brut, c'est pas des gens qui font des études ou qui vont aux Beaux-Arts pour produire des tableaux ou enfin, pour faire de l'art. L'art brut, c'est des gens qui d'un coup dans leur vie, pour soutenir leur psychisme ou parce qu'il se passe quelque chose on ne sait pas trop expliquer quoi, d'un coup ils se mettent à produire des œuvres d'art avec des vraies techniques artistiques qu'ils n'ont jamais apprises. Alors je sais pas, il y a par exemple le facteur cheval qui est assez connu dans ce truc là, mais il y a beaucoup de gens qui ont vécu toute leur vie en institution psychiatrique ou médico-sociale et qui ont créé comme ça plein d'œuvres. Voilà, il y a le directeur d'une fondation d'art brut à Lausanne qui dit que l'art brut, c'est une création délogée. En fait, c'est pas quelque chose qui est fait à la base pour être sur le marché de l'art, c'est quelque chose... Voilà. Et du coup, on accueille ce film, et moi, la première image, je me dis, ah là là, c'est dommage que Vasco il soit en séjour de rupture à l'hôpital psychiatrique, justement, parce qu'il a pété un plomb pendant l'été, il est allé se reposer, parce que je trouve qu'il serait hyper réconforté par la pagaille autorisée qu'on voit. La première image, c'est la chambre d'André Robillard. Et André Robillard, c'est un mec qui est très connu dans l'art brut. Lui, il fait des armes, il fabrique des fusils, avec du bois, du caoutchouc, des trucs de récup. Mais il fait pas des fusils comme on fait quand on est petit, qu'on joue à l'épée. Hein. Il fait des fusils qui sont répertoriés dans un catalogue. Ça correspond à des périodes de sa vie. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui l'aide à tenir debout, quoi. C'est de l'étayage. Et puis ensuite, on passe à une autre séquence. Et là, c'est un Québécois. Et lui, il construit des cabanes. Alors, il va dans la forêt, il ramasse tout ce qu'il y a par terre, des petits trucs, des machins, et il va en haut des arbres, il construit des cabanes, et tu te dis, non mais, jamais de la vie, ça va tenir. C'est des trucs, ça défie la loi de la gravité, quoi. C'est vraiment impressionnant. Il fait, si, ça tient. Il vit là 4 mois, et puis, au bout d'un moment, il abandonne ça, et puis il va faire ça ailleurs. Tu sens que vraiment, c'est un prolongement psychique, quoi, que vraiment, c'est des trucs qui l'aident à tenir debout. À la fin, il y a un débat.
Et Zora, elle dit « Oh là là, moi j'ai vachement aimé la cabane, parce que la cabane, c'est l'endroit de l'enfance. » Elle fait ce geste-là. Moi, ça me bouleverse. Et je me dis « Mais la cabane, c'est pas juste l'histoire de Vasco, en fait. C'est trop con, faut qu'on la fasse, cette cabane. » Alors quand on retourne à l'atelier, je leur dis « Bah, j'ai trouvé là dans mon magazine de vannerie le moyen qu'on fasse une cabane en sol vivant. Est-ce que ça vous dit, c'est pas compliqué, quoi ?» Ils sont « Ok. » Alors on va au bord de la rivière, on cueille de l'osier, on le plante, on le tresse et ben, on a notre cabane. Alors elle est pas très grande, elle est un peu penchée hein, comme nous, mais on est super contents parce que tous les matins on la regarde et puis on sait qu'au printemps il va y avoir des feuilles qui vont se mettre dessus et que ça va être super beau. Puis si ça marche pas, on fera grimper de l'haricot, de toute façon on s'en fout. Je vais pas m'électrocuter si je mets de l'eau sur le micro. Alors, le foyer dans lequel je travaille, c'est un foyer qui appartient à une grosse association où il y a à peu près 15 établissements. Et nous, dans ce foyer, on est un peu les derniers Gaulois qui résistent à l'envahisseur. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on se perçoit. Parce qu'en fait... on a des cadres qui viennent du terrain, une direction qui vient du terrain, et qui temporise énormément les directions venues de la direction générale de la DG, parce que les décisions de la DG, elles sont plutôt portées sur la réduction des coûts que sur la valorisation du travail clinique. Hein. Mais nous, ça va, parce qu'on a des cadres qui font tampon, donc tout va bien. On est dans une structure où il y a beaucoup de débats, beaucoup d'échanges, beaucoup d'espaces d'analyse, où on est quand même... on est en confiance, on peut proposer des choses, on est suivi, on peut se planter, le dire. Enfin voilà, c'est une bonne ambiance de travail, on a des vrais outils pour accompagner les personnes. Beaucoup de co-construction. Soyez, il est très vieux. Il n'y a pas une chambre par résident. Et du coup, le projet, c'est de déménager dans la ville à côté, de construire un nouveau foyer pour aller vivre là-bas. Et ça va de pair avec un projet d'établissement qui dit qu'on est sur de la prise de risque accompagnée. Qui est déjà assez subversif. Alors tout le monde est impliqué dans la construction du nouvel établissement, y compris les résidents, c'est-à-dire qu'eux, ils ont participé à des réunions de chantier, ils vont régulièrement voir comment les travaux avancent, ils ont choisi l'emplacement de leur chambre, la couleur de laquelle elle allait être peinte, et puis ils ont réussi à négocier d'avoir une baignoire à bulles par groupe, donc il y a 4 groupes de 8 personnes, ils auront chacun une baignoire à bulles sur le groupe, enfin chaque groupe aura une baignoire à bulles, ça c'était pas gagné, hein. On est tous hyper impliqués là-dedans. Et puis, il y a le projet d'établissement. Donc, la prise de risque accompagnée, c'est génial. Ça veut dire que, comme on va être en ville, les résidents, ils vont pouvoir aller faire des choses tout seuls sans nous. On va les aider à faire ça. On va sécuriser. On va faire avec eux au début, puis voir comment ils se débrouillent, et puis petit à petit les laisser faire. Donc, ça veut dire que, ils vont pouvoir aller chez le coiffeur tout seul, boire des coups au cinéma, faire des activités sportives ou culturelles avec les gens de la ville. Voilà. C'est notre projet. Et puis, il y a aussi le projet jardin. Alors le projet jardin, c'est génial parce que l'idée, c'est que les résidents ils fassent des trucs tout seuls à l'extérieur, mais comme on va être dans un quartier, l'idée, c'est aussi que les gens du quartier puissent venir dans le foyer. Ce ne soient pas toujours les mêmes qui sont obligés de sortir. Donc le projet jardin, c'est par exemple un chemin qui va traverser le jardin où les gens du quartier pourront se balader, s'asseoir sur des bancs, puis discuter avec nous, les résidents. Ça veut dire qu'on va pouvoir cultiver nos légumes et les manger à la cantine, parce qu'en fait, on a réussi aussi à négocier d'avoir notre propre cuisine, ce qui n'est pas non plus dans l'air du temps. Hein. L'air du temps, c'est une cuisine centrale qui balance de la bouffe. Nous, non, on a notre propre cuisine avec nos cuisiniers, et on va pouvoir produire une petite partie de ce qu'on mange. Mais c'est génial, parce que cultiver des légumes que tu vas pas bouffer après, ça n'a aucun sens, que là, ça a du sens. Ça veut dire pouvoir organiser des échanges de semences potagères hein, avec les vieux du quartier qui ont un jardin. Ça veut dire peut-être faire des tables d'hôtes au jardin. Enfin voilà, c'est génial. C'est le poumon du foyer, c'est l'interface entre le dedans et le dehors. Et ce qui est vraiment génial en fait, c'est que ce projet-là, c'est moi qui vais l'animer. Et en fait, c'est à ce moment-là que la démarche qualité elle est arrivée. Alors, la démarche qualité, elle vient pas de nulle part. Quand j'ai préparé la conf, je me suis un peu renseignée. Je suis allée voir sur Internet, il y a des gens qui font des sites à la gloire de ce truc-là. Bon, chacun son truc. Hein.
Alors, dans ce site, il t'explique que c'est, ça vient pas de nulle part et que ça se, que ça prend racine dans de la pensée philosophique. Il y a des fondements philosophiques à la démarche qualité. Alors, notamment, ils te prennent trois grands fondements philosophiques. Le premier, c'est le libéralisme économique. Donc, c'est Adam Smith, hein. Alors, Adam Smith, il dit que c'est pas la peine de réguler les intérêts privés des gens qui veulent s'enrichir au détriment des autres parce que il y a un truc qui s'en charge à notre place. C'est la main invisible du marché qui vient réguler tout ça et que c'est pour le bien de tous. Alors, bon, c'est pas que j'ai pas envie d'y croire, mais ça me fait bizarre parce que moi, la démarche qualité, on m'a présenté ça comme un truc rationnel, scientifique, qui va éliminer tous les problèmes que peut-être t'avais pas avant. Et puis à la base, la démarche qualité, ça sert à vérifier que les produits que tu fabriques dans une usine, ils sont conformes, que les procédures sont adaptées, les process de fabrication, et que le client, à la fin, ben, il a bien le produit qu'il t'avait commandé, quoi. Donc la main invisible du marché, comme truc rationnel. Puis après, ils te disent que ben, y a aussi John Dewey qui a travaillé sur le statut de l'expérience, qu'en fait, quand tu vis une expérience, ce qui compte, c'est ce que tu retiens à l'intérieur, que... voilà, c'est ça qui va te faire continuer ton expérience ou pas. Enfin, c'est pas du tout lié au contexte autour. Ça, c'est ce qu'ils te disent, ce que Dewey dit. Et puis, ils vont chercher aussi un truc qui s'appelle l'utilitarisme. Et ça, c'est Jeremy Beltham. Et c'est quelqu'un qui a travaillé sur comment faire pour augmenter le gain du plaisir dans l'action. Parce que lui, il dit qu'il y a deux raisons pour lesquelles les gens sont en action. C'est quand ils vont vouloir éviter la punition ou augmenter le plaisir. Donc, lui, il travaille aux conditions d'augmentation du plaisir. Et puis il y a Deming. Donc voilà. Ah, donc ils te disent, bah, tous ces gens-là, ils ont monté cette théorie de la démarche qualité, tanani, de. Sauf qu'en fait, quand tu regardes un peu, tu te rends compte que bah, ils n'avaient rien demandé, ces mecs-là, et que leur pensée, elle n'était pas du tout faite pour ça à la base. Dewey, par exemple, c'était un philosophe de l'éducation qui n'était pas du tout. Enfin voilà, qui n'avait pas du tout conscientisé la démarche qualité. Et dans ce bouquin-là, qui s'appelle Qualité mon cul, de Dominique Dupagne, pardon. On t'explique qui c'était Deming, en fait, celui qui a inventé la roue, là où tu te dis, mais c'est qui ce salopard, parce que c'est pas possible d'inventer des trucs pareils qui servent à rien. Mais en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Hein. Deming, c'était un ingénieur américain qui s'est inscrit à l'encontre du taylorisme. Taylor, vous savez, c'est celui qui a divisé les tâches à l'usine, qui a enlevé... Lui, il dit, à l'usine, les ouvriers, il faut qu'ils soient dans la coopération, pas dans la concurrence. Il faut que la connaissance, ça soit l'affaire de tous, et pas seulement des ingénieurs. Et puis il dit surtout, la direction, elle doit être au service de l'outil de production et pas l'inverse. Donc lui, il arrive avec cette théorie-là, en 1945, il va présenter ça aux États-Unis, et en fait, il se fait mettre au banc, ce mec, c'est un dangereux révolutionnaire, sa méthode, elle est chou, jamais personne n'utilise sa méthode aux États-Unis, quoi. Donc voilà, en fait, les gens qui te prennent la démarche qualité, ils sont allés chercher des petits bouts, ils ont tout mis dans un sac, ils ont secoué, ils ont dit, voilà, méthode scientifique, validée par tel et tel et tel grand penseur, ok. Bon, alors en fait, quand ils viennent sur ton lieu de travail pour t'expliquer le truc, ils ne parlent pas de tout ça, parce que sinon, quand même, ça te mettrait un peu la puce à l'oreille. Non, eux, ils viennent t'expliquer qu'ils sont là pour t'aider à évaluer tes pratiques. Alors là, tout de suite, bah, tu te demandes ce que tu as fait de travers, parce que moi, perso, j'avais pas l'impression que je faisais si mal mon boulot que ça. Puis après, ils te disent qu'en fait, le problème dans le travail social, c'est qu'on ne comprend rien. On ne sait pas dire, nous, les éducateurs, ce qu'on fait au boulot. Bon, là, tu t'interroges, parce que quand même, en tant qu'éduc, tu sais que tu as un jargon professionnel. Tu sais que tu as une espèce d'entre-soi. Et que si tu veux t'adresser à des gens qui passent pas leur vie en institution, ben, tu es obligé d'adapter, parce que sinon, ils comprennent pas, quoi. Allô, Madame Brichon ? Oui, bonjour. Oui, c'est Stéphanie, l'éducatrice de Jacques. Non, il va très bien, vous inquiétez pas. Je vous appelle juste parce que, comme je suis référente de son PP, ben, je voulais voir avec vous une date de réunion. Pardon ? Ah non, non, mais non, pas son grand-père. Je sais bien qu'il est mort, son grand-père. Son PP, son projet personnalisé. Et ouais, faut faire gaffe. Parce que là, par exemple, tu peux te retrouver vite fait référente du pape. Moi, là, perso, j'ai pas envie d'être référente du pape. Hein. En ce moment, le pape, c'est le projet d'accompagnement personnalisé. Tout ça pour dire que la question de ta lisibilité, en vrai, tu te la poses. Alors que dans ton planning, tu as plein d'espaces formalisés qui font partie de ton métier où tu expliques ce que tu fais. Tu fais les transmissions pour tes collègues, donc tu écris sur un cahier ce qui s'est passé dans la journée avec le groupe pour ton collègue qui arrive après.
T'écris sur le cahier personnalisé de chaque résident ben, les événements qui se sont passés, des hypothèses de travail, des analyses. T'as des espaces d'analyse des pratiques, tu fais des bilans d'activités. Quand tu les accompagnes faire un truc, ben, t'expliques comment ça s'est passé, pourquoi c'était bien, pourquoi c'était pas bien, ce que t'as ressenti. Tu fais des comptes rendus de réunions d'équipe. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu fais des bilans de synthèse aussi. Enfin voilà, on est tout le temps en train d'expliquer ce qu'on fait en fait. Et là, ils enfoncent le clou. Ils te disent que ton établissement, c'est un de ceux qui coûte le plus cher. Et qu'il y a plein de gens qui font la même chose avec beaucoup moins d'argent que là, quand même, il va falloir expliquer parce que c'est de l'argent public. Alors, le foyer dans lequel je travaillais, moi, le budget, c'était 200 euros de prix de journée. Le prix de journée, c'est ce que coûte l'accompagnement d'un résident sur la base de... Ben, l'accompagnement éducatif, les soins infirmiers, tout ce qui est électricité, repas, enfin voilà, combien ça coûte d'accompagner une personne. Donc nous, c'était 200 euros, tu multiplies par le nombre de résidents et par le nombre de jours, et tu as en gros le budget d'établissement. Donc moi, j'ai calculé, ça fait à peu près 3 millions d'euros pour une année, quoi. Voilà, donc en fait, c'est là que le quiproquo, il s'installe. Mais c'est pas un quiproquo, en fait, c'est une arnaque. Parce qu'évaluer, on sait le faire. Mais là, ce qu'on fait, c'est du contrôle qui ne dit pas son nom. Et ce qui est hyper pervers, c'est qu'on va te demander en tant que professionnel d'adhérer à cette démarche et de la porter, comme si avant ça, il n'y avait jamais rien eu d'autre. Parce que c'est pour t'aider à faire mieux ton travail. Ça m'a rappelé, quand je bossais pour Accueil Paysan, Accueil Paysan, c'est une asso où j'accompagnais des porteurs de projets, sur des activités d'accueil, qui voulaient monter des activités d'accueil dans leur ferme. Et je me retrouve un jour dans une réunion avec tous les acteurs du tourisme local, et puis il y a un mec qui me prend à partie, un mec des Gîtes de France, en me disant « Mais Madame Brieux, si vos porteurs de projets n'ont pas accès à de la subvention publique, c'est parce que vous n'avez pas mis en place de système de réservation. » Ben si, en fait. On avait un système de réservation direct. On refusait la centrale de réservation parce qu'on trouvait que ça opérait d'entrée une distance entre l'accueilli et l'accueillant et que nous, on valorisait la vente directe, en fait. Les gens, ils appelaient, ils disaient « Est-ce qu'il y a de la place ?» Ben oui, la place ou non, il n'y en a pas. Enfin, voilà. Il y avait un système. Enfin, je ne pouvais pas dire qu'il n'y en avait pas. En France, les démarches qualité dans la production des biens et des services, elles arrivent en 1990. C'est Juppé en 96 qui impose l'accréditation dans les hôpitaux, les ordonnances Juppé. Ça veut dire que les hôpitaux publics, pour continuer à avoir des sous, eh ben, il va falloir qu'ils répondent à un certain nombre de critères. Alors le problème, c'est que déjà, c'est des critères gestionnaires. On va imposer des pratiques gestionnaires là où avant, on était plutôt sur des critères de clinique, en fait, de lien avec le patient. Quelqu'un qui, par exemple, est hospitalisé pour une appendicite, où on sait que c'est 4 jours d'hospice, mais si cette personne-là, on sait que ben, quand elle va rentrer chez elle, elle va être un peu isolée, il n'y aura personne pour lui faire à manger, prendre soin d'elle, ben, on va dire ben, peut-être qu'elle peut rester 10 jours. Enfin, c'était ça plutôt les critères à l'hôpital avant. Mais là, pas du tout. Là, il faut, là un des critères, par exemple, c'est le nombre de passages qu'on peut faire aux urgences en une journée. C'est un critère, c'est rentable, quoi. Sauf qu'on se rend compte après avec d'autres études que ben, y a beaucoup de passages aux urgences, ben, du coup c'est valorisé, sauf que moins tu restes de temps aux urgences, plus les gens reviennent après parce que peut-être qu'ils n'ont pas été super bien soignés tout de suite. Quoi. Donc ça c'est un problème en fait, parce qu'on impose des pratiques gestionnaires là où il n'y avait pas forcément besoin, et puis surtout c'est des pratiques qui sont imposées par des gens qui n'ont peut-être jamais mis les pieds dans un hôpital, quoi, et qui ne savent pas comment ça marche en vrai. Nous, quand la démarche qualité elle arrive au foyer, c'est en même temps que le nouveau DG, le nouveau directeur général. On s'est demandé s'il y avait un lien ou pas. Je sais pas. Le truc, c'est qu'avant, les directeurs, ils venaient du terrain. Ils bossaient, puis ils prenaient des responsabilités, puis un jour, ils se retrouvaient directeur ou directrice. Bon, maintenant, non. Hein, faut juste aller faire une école de direction. Alors, nous, je sais pas, ils vont tous à Rennes. Ils vont se former dans une école à Rennes et puis ils reviennent, ils sont directeurs ou directrices. Il y en a qui n'ont jamais foutu les pieds dans un établissement du médico-social. Hein. Mais bon. Moi, je me dis quand même, directeur, je sais pas, on est d'accord, non, c'est pas un métier. C'est un statut, non? Enfin, le nôtre, en tout cas, là, il avait appris les méthodes du management moderne. Il se pointait dans les boîtes au petit matin, sans prévenir, sans dire qui il était, puis il écoutait ce qui se passait.
Enfin, nous, on le savait parce qu'il avait fait ça dans d'autres structures et puis que les copains nous l'avaient dit. Et un matin, je l'ai trouvé dans le hall d'entrée. Alors, ben... je lui ai envoyé Marguerite. Et puis, j'ai refermé la porte. Alors, Marguerite, faut que je vous dise, c'est une petite bonne femme normande, toute sèche, toute tendue comme ça, qui a vachement de mal à supporter quand quelque chose va pas bien, qui prend tout à son compte. Et puis Marguerite, et à ce moment-là, en fait, nous, à tes souhaits, nous au foyer, on râlait beaucoup parce qu'il avait beaucoup plu, ça avait raviné tous les chemins, et qu'il y avait des gros trous, c'était super galère, dès qu'on voulait prendre un véhicule, ça tanguait dans tous les sens, les résidents qui partaient se balader, on avait toujours peur qu'il y en ait un qui se casse une jambe, et on avait beau alerter la DG, il n'y avait rien qui bougeait, donc on était un peu énervés. Quand j'ai rouvert la porte 10 minutes plus tard, le DG était coincé dans un coin comme ça, avec Marguerite, le petit doigt en l'air, toute rouille, qui lui expliquait sa façon de penser. Bon, Marguerite, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que après c'est difficile de l'arrêter. Alors j'ai dit, bah Marguerite, t'aurais pu inviter le monsieur à boire le café quand même. Alors elle a souri, elle s'est exécutée, mais il n'a pas voulu, il est parti. Et là, j'ai vu à quel style de directeur on avait affaire. Marguerite, elle aurait dit à quel genre de style. Parce qu'elle parle comme ça, Marguerite. Ben ouais. Parce que notre directeur, à nous, tous les midis, il mangeait sur les groupes avec les résidents. L'espace du foyer, c'était l'espace de vie de tout le monde. Il n'y avait pas d'espace réservé. Les résidents, ils allaient boire le café avec la secrétaire, manger un petit gâteau avec la comptable, taper la discute avec la chef de service. On pouvait passer la porte du bureau du directeur chaque fois qu'on en avait besoin. Et eux, c'était pareil, quoi. On était tous hyper impliqués dans la vie de ce foyer. Il y a une chercheuse en sciences de l'éducation qui s'appelle Christine Nias, qui a essayé de comprendre comment ça se faisait qu'à des endroits, les gens étaient plus impliqués qu'à d'autres au niveau d'un collectif de travail. Et elle a modélisé ça sous la forme d'un triangle qu'elle a appelé le triangle de l'implication. Elle s'est rendue compte que pour que les gens soient impliqués, il fallait qu'ils trouvent du sens à leur métier, qu'ils aient des repères clairs du cadre dans lequel ils bossaient, et que du coup, tout ça, ça donnait le sentiment de maîtriser. Et que quand tous ces trucs-là étaient réunis, ben, les gens étaient plus impliqués que dans les endroits où il y avait un peu des défaillances, quoi. Et c'est ça aussi que la démarche qualité, elle vient casser. Parce que nous, c'est comme ça qu'on bossait. Hein. Tout le monde était... Enfin, on était... Tout allait bien, quoi. quand... je bois un coup... Quand le consultant choisi par la DG pour venir nous former à la référence qualité s'est pointé, en fait, c'est comme si on avait été projeté dans une espèce de faille spatio-temporelle. C'était un monde qu'on nous disait réel, mais donc on ne comprenait pas un seul mot, quoi. C'était un truc... Moi, chaque fois que je poussais la porte de la salle de réunion pour la formation référent qualité, j'avais en tête la scène d'un film, je ne sais pas si vous connaissez Mars Attaque. Il y a quelqu'un qui a vu ce film? Ouais? Ouais, toi aussi? C'est un film des années 90, je crois, où c'est les Martiens qui envahissent la Terre. Donc ils arrivent dans une grande fusée comme ça, et tout le monde est terrifié, hein, ça court dans tous les sens. Ils descendent de la fusée, ils sont horribles, ils ont des gueules toutes vertes qui dégoulinent. Et puis ils ont des fusils, et puis ils avancent comme ça, en disant « N'ayez pas peur, nous venons en amis !» Et ils flinguent tout le monde. Ça me faisait ça. Parce que ouais, j'ai été référente qualité. Alors, c'était pas du tout par conviction, c'était une stratégie. C'est parce qu'en fait, quand le directeur il a vu ce qui nous arrivait sur la tronche, il s'est dit, ben, c'est peut-être mieux si je demande à des gens qui sont un peu contestataires. Parce que comme ça, ben, ils vont peut-être pas tout gober tout de suite, comme ça, et dire amen. Bon, ça a été un peu compliqué parce qu'il a demandé à quelques personnes, et puis franchement, personne ne voulait se cogner ça tout seul. Hein. Donc on a dit, ok, mais on le fait à quatre. Mais ça pose un problème parce que le DG, il a dit, bah non, c'est pas possible parce qu'il y a une prime. Donc à qui je la donne, moi, la prime? Il a dit, bah, je vais la donner au plus ancien. Puis on a dit, bah non, c'est pas juste parce que le plus ancien, c'est déjà lui qui a le plus haut salaire. Donc en plus, il a une prime, c'est pas cool. On a réfléchi longtemps. Hein. Comme on n'avait pas de protocole pour le faire, ça a pris un peu de temps. On a dit, bon, mais je sais pas, on lui propose quoi? Que c'est celui qui chausse le plus grand, qui a la prime. Celui qui a les sous-vêtements bleus. Ou propre. Bon, au final, on lui a dit, bon, tu sais quoi, ta prime? On va la partager. Parce que ça tombait bien, c'était 80 balles.
On était 4. Ça faisait 20 euros par personne, c'était nickel, quoi. Je vais vous informer des principes de la démarche qualité. La structure doit rechercher l'optimisation des moyens. Il s'agit de cerner le possible et de ne pas rester sur le souhaitable. La formation des référents qualité permet de mieux maîtriser les théories relatives à la qualité. Elle peut déstabiliser certains par un apport théorique qui peut paraître éloigné de la réalité. Mais il y a des obligations législatives. Une évaluation interne destinée à évaluer l'activité et la qualité des prestations délivrées, notamment sur la base de recommandations de bonnes pratiques validées par le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale et dont les résultats doivent être communiqués tous les 5 ans à l'autorité ayant délivré ladite autorisation. Une évaluation externe, pratiquée tous les 7 ans, par des organismes habilités sur avis de ce Conseil national selon la méthodologie également validée par le dit Conseil. Associer les professionnels et les usagers suppose une communication claire sur les enjeux de cette démarche. Cette communication sur les enjeux débutera en amont de l'entrée dans la démarche qualité, contribuant ainsi à lever les résistances qui pourraient émerger. L'objectif est bien de faire partager un langage commun. Excusez-moi, on frappe là. Oui, oui, Pierre-Edouard. Oui, j'arrive. Oui, je sais que je suis en retard, mais j'ai bientôt fini. Là, j'en ai pour 10 minutes, puis j'arrive. Vous commencez les échauffements sans moi, là. Vous savez faire maintenant. Ouais. Ça marche, j'arrive tout de suite, c'est promis. Pardon ? Ah bah, oui, je vais y aller là, hein. Ils m'attendent, je suis en retard. Bah ouais, mais enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai un travail, hein. Je bosse quoi. Parce que ouais, il y a eu les ateliers clowns aussi. Alors les ateliers clowns, au départ, on devait aller se former avec mon collègue. Et puis on s'y était pris un peu en retard, ça posait des soucis par rapport au service et tout ça, c'était compliqué. Alors on a dit à notre directeur qu'on avait une autre idée. On a dit, bah écoute, si tu veux, on demande à la clown qu'elle vienne nous former sur la structure et comme ça on le prend sur le plan de formation de l'établissement, mais on forme tout le monde, on forme aussi les résidents qui veulent participer à l'atelier clown. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'était génial parce que pendant une semaine, on a été en situation d'être formé par cette clown, tout le monde à égalité, les résidents et nous, c'était pareil quoi, on était dans le même... dans la même prise de risque, c'était fantastique. Et c'était génial, il se passait plein de trucs à cet atelier théâtre. On avait par exemple Pierre-Edouard, qui est un monsieur très digne, toujours très sur lui, qui mettait des grandes robes à fleurs, des sacs à main en cuir, des grands chapeaux de paille, et qui traversait la scène comme ça en nous disant « Moi, dans la vie, je suis malheureux. » Comme il aurait dit bah, « Je suis marchand de fleurs ou pianiste. » Puis il y avait Kader aussi. Kader, c'est le mutique explosif. Kader, il disait jamais rien de son enfance. Et là, pendant l'atelier, il passait des séances entières à jouer avec un ours en peluche et à raconter des trucs. Des trucs qu'on n'entendait jamais dire ailleurs. Alors nous, on faisait rien de plus. On écoutait, on retenait notre souffle parce qu'on avait peur qu'il s'arrête. On l'obligeait pas à aller parler dans le bureau du psy de 3 à 4 hein, parce qu'il nous demandait pas ça. Et puis voilà, ça lui allait bien. Si ça sortait là, c'est que ça devait sortir là. Kader, c'est l'exemple même du type qui a besoin de repères, très clairs. Parce que dès que c'est un peu flou, dès qu'il y a un peu de choix, dès que c'est pas très posé, bah, l'angoisse, elle monte très fort et il menace de couper la tête à tout le monde. Alors les éducateurs, ils ont traduit ça par un planning immuable. Si le lundi de 11 à 12, il doit faire des courses et qu'il se passe un autre truc qui n'était pas prévu et qu'il a envie d'y aller, c'est pas possible. Hein. C'est marqué que tu vas faire des courses, sinon tu vas être angoissé, Kader. Okay. Pourtant, Kader... c'est pas un régulier de l'atelier jardin. Kader, il vient de temps en temps parce qu'une fois, on a ramassé la menthe pour faire le thé comme au bled. Et depuis, chaque fois, que ça soit qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente, il me demande quand est-ce que je peux le prendre à l'atelier jardin. Ouais, parce qu'il parle comme ça. Ils disent pas quand est-ce que je peux venir, ils disent quand est-ce que tu me prends.
parce que je pense qu'ils ont bien intériorisé le fait que bah, ce n'était pas vraiment des sujets, que c'était plutôt des objets. Bon, au mois de janvier, la menthe, ça fait un moment qu'elle a gelé. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on trouve toujours un petit quelque chose à faire. Et puis moi, je lui dis, ben, Kader, tu sais, si tu veux, tu peux venir le vendredi après-midi. Le vendredi après-midi, c'est une plage d'inscription libre. C'est pas le groupe habituel du jardin. Ce qui veut peut venir. Ben, ça suffit, en fait. Parce que Kader, il vient une fois sur quatre, mais on s'en fout. Parce que quand il vient, il sait avec certitude que moi, je vais l'accueillir. C'est ça qui est immuable. Et jusqu'à maintenant, il a pas essayé de me couper la tête. Alors, être référent qualité, en quoi ça consiste en fait? On a... Non, pas maintenant. Être référent qualité. Non, pardon, je voulais pas vous faire peur. Ça consiste à t'approprier des référentiels d'évaluation, à cocher des items et à proposer des axes d'amélioration pour ensuite organiser l'évaluation interne, c'est-à-dire organiser des groupes de travail avec tes collègues volontaires. Tu t'aperçois rapidement que c'est vachement mieux si tu es volontaire quand même, selon des thématiques, pour cocher, rendre compte de ce qui se passe dans l'établissement. Mais le problème justement, c'est que les référentiels d'évaluation, ils parlent absolument pas de nos pratiques professionnelles, ils expliquent pas du tout la vie dans le foyer, mais c'est plutôt un truc qui sert à savoir s'il y a des procédures mises en place, si les gens les connaissent, quelles prestations on propose, et si les usagers sont satisfaits. Du coup, ça fait passer la personne accueillie du statut de personne accueillie au statut de client. Hein. Alors le problème, c'est que dans la relation éducative, le client, il est rarement satisfait. Ça fait un peu partie du truc, quoi. Je veux dire, si j'interdis à Marguerite d'écouter Julio Iglesias à 3h du matin à fond les ballons, elle va juger que la qualité de ma prestation laisse à désirer, quand même. Y a un truc qui est vachement plus grave que ça. C'est que quand tu assignes une personne au statut de consommateur dans son espace de vie sociale, et qu'il n'a pas... Ça veut dire qu'il n'a pas l'occasion d'expérimenter une autre relation sociale que celle-là. Donc c'est une spoliation de droit. Il ne peut plus être en interaction avec quelqu'un d'autre en dehors de cette place-là de consommateur. Un consommateur, normalement, quand quelque chose ne lui convient pas, il va voir ailleurs. Sauf que là, les gens qui sont accueillis en établissement, en vrai, ils ne peuvent pas partir comme ils veulent et aller voir si les prestations ailleurs, elles sont mieux. Hein. Donc c'est une spoliation de droit, puis c'est un refus de prendre nos responsabilités en tant qu'accompagnant dans la prise de risque de la relation. Je pense que vous pouvez y aller pour la deuxième question. Désolée de vous réveiller. Rubrique 2, savoir-être et politesse. Item 38, l'écoute et l'attention sont à leur comble. Aucun élément du collectif n'a bâillé ni fermé les yeux. Réponse A, sans objet. Réponse B, non abordée. B, hein. Je dois animer l'échange aussi. Bah c'est mieux, quand on est référent qualité, on a une prime, donc... Donc je sais pas, vous en pensez quoi? Merci. Enfin, c'est peut-être pas le terme approprié, mais... D'accord, vous auriez répondu quoi? Enfin, vous répondez quoi? A ou B? A, parce que cette question est sans objet. A. Ok, c'est l'avis du groupe. Des axes d'amélioration. Allez-y, on a le choix. Avoir des questions pour des objets. Je sais pas si c'est prévu dans les protocoles. Voilà. Des caméras pour vérifier si quelqu'un baille, c'est pas mal. Ouais, mais j'ai abandonné une caméra, j'en ai vu plein qui baillaient là. Ok, c'est bon? Merci de votre engagement. Ben, qu'est-ce qui se passe, Linda? Comment ça, tu t'es trompée? Mais non, tu t'es pas trompée. T'as fait autrement, c'est tout. Oui, d'accord. Oui, j'avais dit, vous mettez la terre, vous tassez, vous enfoncez la graine, vous saupoudrez d'un peu de terre et vous retassez, vous arrosez. Mais regarde, ça marche aussi, comment t'as fait? Arrête de t'excuser. Arrête de t'excuser, je te dis.
Oui, c'est ça, t'as raison, il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent jamais. Linda, elle est persuadée qu'il y a un mode d'emploi pour exister. Et je crois qu'elle pense que le mode d'emploi, il est planqué dans le bureau des éducs, dans un coffre-fort. Parce qu'elle est tout le temps en train d'essayer de nous faire plaisir et de se rendre conforme à ce qu'elle pense qu'on attend d'elle. Alors, elle est toujours, quand on a des échanges, elle truffe le discours de phrases toutes faites qui ne veulent rien dire. Bon, en un sens, c'est assez malin parce que ça préserve la paix sociale, on ne se dit rien de potentiellement dangereux. Hein, c'est, voilà. Et puis, il faut toujours qu'elle fasse semblant d'avoir tout compris tout de suite, d'être toujours d'accord avec l'éducateur, bien sûr, puisque c'est lui qui a le mode d'emploi. Et puis, elle s'excuse tout le temps, pour n'importe quoi. Elle s'excuse parce qu'elle a eu envie de faire pipi pendant la réunion de l'atelier, parce qu'elle m'a bousculé en passant, parce qu'elle a dit un gros mot ou un truc qu'il ne fallait pas dire avec lequel je n'étais pas d'accord. Alors, c'est devenu un jeu. Je lui ai interdit de s'excuser. Alors, des fois, on est là, on trafique, et puis elle me dit... T'as pas entendu, mais je me suis excusée tout à l'heure. Alors, moi, je suis là, je continue, j'ai pas entendu, puis elle recommence. Mais heureusement, t'as pas entendu, parce que... Alors là, je lève un sourcil menaçant, puis elle me dit... Puis merde alors, j'ai bien le droit de m'excuser quand même des fois. Et puis en même temps qu'elle dit ça, elle dit oh là là, pourvu qu'elle me maudisse pas sur 8 générations d'avoir dit un truc pareil. Linda, elle est tellement lisse que je me sens toujours obligée de la bousculer pour réussir à la voir en vrai. Alors en fait, je dis des gros mots tout le temps, je lui balance des théories qui ont ni queue ni tête, juste pour le plaisir à un moment donné de voir qu'il y a les petits rouages là qui se mettent en branle et qu'elle me dit... Non mais ça, je crois quand même que c'est n'importe quoi. Linda, elle a 25 ans et elle aimerait beaucoup aller chez le coiffeur toute seule ou prendre le bus pour aller rendre visite à ses parents. Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que les éducateurs, ils ont évalué qu'elle n'était pas capable. Parce qu'une fois, elle s'est perdue au supermarché et puis sa réaction, ça a été d'aller accoster un homme et puis de la jouer au charme. Ça tourne vite au charme avec Linda. Alors Linda, elle reste au foyer puis elle voit ses chances s'amenuiser avec le temps de pouvoir rencontrer autre chose. Mais moi, je me dis, si elle s'y frotte jamais à la réalité, comment on fait pour l'accompagner, pour l'aider à avoir des relations qui ne la mettent pas en danger à l'extérieur ? Puis est-ce qu'on s'est posé la question de pourquoi elle était autant en insécurité et pourquoi quand elle était en insécurité, eh ben elle partait tout de suite sur du charme comme ça. Alors nous, en réunion, on essayait de résister. On refusait le mot démarche qualité, on disait démarche quantité. On refusait d'utiliser le terme usager ou client, on continuait à dire personne accueillie. On refusait le mot prestation. On se disait, bon, il va en avoir marre à force le consultant, là, il va nous lâcher, quoi. Alors, non, c'est pas moi. Alors, dans la rubrique... Application des droits et prestations, on a l'usager client est systématiquement, vous voyez, dans le cadre de ce déplacement quotidien au sein de l'entreprise. Non, mais c'est une blague. Au sein de l'établissement. De manière à souligner ses droits fondamentaux et lui donner l'impression d'être respecté par les agents prestataires de services, acquis, à améliorer, non abordé, sans objet. Alors ça, je sais pas... Ça, c'est rigolo, quand même. Moi, vraiment, je pense pas que ça soit une bonne idée quand on commence à vous voyez Jean-Claude. Comment ça, pourquoi ? Bah, parce que Jean-Claude, il est accueilli dans les structures de l'association depuis qu'il a 8 ans. Là, il en a 35. Il y a des éducateurs qui le connaissent depuis qu'il est tout petit. Il va rien comprendre, hein, si on se met à le vous voyez là, d'un coup. Bon, quoique, en même temps, comme ils sont plusieurs dans sa tête, peut-être qu'il va être content, en fait. Il va se dire qu'on a enfin compris à qui on avait affaire, hein. Je sais pas, hein, peut-être ça peut marcher. Non, mais bon, sans rire, là, faut cocher sans objet, non ? Ah non ? À améliorer ? Puisqu'on vous dit que c'est pas pertinent.
Pertinent. Pertinent. Bah, c'est un mot de notre langue à nous. Je sais pas comment je pourrais traduire ça en notre langue. Alors, un indicateur pertinent, par exemple, ça serait un indicateur adapté aux réalités de notre métier. Ça vous parle, ça? Ah non. Ouais. Mais en fait, c'est plus vicieux que ça. Parce que le langage et les indicateurs des référentiels pas adaptés, c'est un truc qui est facile à voir. Mais lui, petit à petit, il introduisait dans la gestion de la réunion des outils qui laissaient plus de place à la pensée. On devait toujours être à l'instant T. Bah oui, c'est Deming, hein. Penser l'action, faire l'action, évaluer l'action, reproduire ou pas l'action. On pouvait pas, par exemple, imaginer un compte rendu où on posait une hypothèse de travail, puis on laissait maturer après, puis on voyait ce qui se passait. Non, il fallait penser à l'instant T. Et puis, il nous apprenait aussi à travailler avec des figures géométriques. Alors, par exemple, tu mets tes objectifs opérationnels dans des rectangles. Alors, objectif opérationnel, ça peut être connaître la manière dont sont stockés les produits d'entretien. Et puis, dans des carrés, tes objectifs intermédiaires qui vont te permettre de remplir tes objectifs opérationnels. Bah, allez poser la question à la personne qui est en charge des produits d'entretien. Bah, attendez, c'est la porte à côté, je vais lui demander. Prévoir l'action, agir, évaluer l'action, modifier ou reproduire l'action. Et puis un autre truc aussi, c'est qu'au moment où tu remplis tes trucs là, t'as une feuille à côté de toi où tu dis ce que t'es en train de faire. C'est ça ton compte rendu, c'est remplissage de la feuille, je sais plus comment ça s'appelait, avec les figures géométriques. Petit à petit, t'as pensé à rentrer dans une espèce de cadre rigide là où il n'y a plus de place pour la créativité, la surprise, enfin voilà, des trucs de la vie normale quoi. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est bien connu, quand même. Nous, les éducateurs, on n'est pas organisés. On passe des heures à bavasser en réunion, puis c'est pas productif, ça sert à rien. C'est-à-dire, pendant qu'on fait ça, on travaille pas. Et puis d'abord, la réunion, pourquoi vous y allez à 5, alors que s'il y en a un qui va tout seul et qui raconte aux autres, c'est exactement la même chose, non? Non, en fait. Le vécu commun, c'est pas la même chose qu'un mec qui a ressenti un truc et qui vient t'expliquer ce qu'il a ressenti. C'est quand même important, des fois, de vivre des trucs ensemble. Puis un truc marrant quand même, moi, quand je partais de ces réunions-là, j'avais la nausée, je me disais, c'est pas possible en fait, ça sert à rien ce truc, d'où ça sort, mais ils vont s'arrêter, ça n'a aucun sens quoi. Et puis la semaine d'après, je me remobilisais, puis quand je revenais, je disais au consultant, puisque tout doit être évaluable et quantifiable, qui c'est qui va l'évaluer la démarche qualité, vous avez pensé à ça? Moi, il répondait pas, hein. Parce que la démarche qualité, c'est la réalité. D'où t'as vu qu'on évalue la réalité, toi? Il y a un truc marrant, quand même, c'est que quand t'es dans ta démarche d'auto-évaluation, tu passes des heures en réunion avec tes collègues à cocher des cases. Et pendant ce temps-là, il n'y a plus de réunions. En fait, il n'y a plus d'autres réunions. Donc, il n'y a plus de réunions d'équipe, il n'y a plus de réunions d'analyse des pratiques, il n'y a plus de réunions de bilan pour les résidents. Il ne se passe plus rien. Eux, ils font garderie à 32 avec deux éducateurs pour s'occuper d'eux. Mais ça, tu l'évalues pas. Le fait que pendant des mois, tu fais plus ton boulot, tout le monde s'en fout, en fait. Alors, au début, tu te dis, c'est des gens, en fait, ils sont trompés de trottoir. Ils n'ont pas du tout affiné leurs outils avant d'essayer de venir te laver le cerveau, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a aucune contrainte apparente. Il n'y a pas de conflit. À aucun moment, le petit jeune là qui venait nous former, il était très gentil, hein. Enfin il était tout lisse, enfin, non il était pas tout lisse, parce qu'en fait il était très pointu. Il avait des chaussures pointues, il avait un col pointu, il avait un nez pointu, il avait des pics sur la tête, un accent pointu aussi. Mais bon, il était très gentil, des fois on culpabilisait, on disait non mais à force il va craquer, on était tout le temps frontal quoi. Non, à aucun moment il a mis en débat ce qu'on opposait quoi. Et ça, c'est hyper violent, en fait. Parce que, ça veut dire qu'on remet en question complètement ta capacité à penser ton métier, à remettre en question les outils qu'on te propose. C'est super violent. On t'enlève les mots pour penser, quoi. Tout ce qui n'est pas dans les protocoles, c'est à évacuer. Ça n'existe plus.
on demande aux éducateurs de rédiger des fiches d'événements indésirables à chaque fois que quelque chose qui n'était pas souhaité se produit dans la structure. Ah, tes souhaits. Alors, des trucs pas souhaités, en fait, dans un établissement médico-social, il y en a un peu tout le temps, quoi. Accessoirement, ça donne des clés de compréhension, hein, c'est un outil. Ah oui, désolé. Hein. Et puis, ça permet de comprendre la relation. Moi, quand je suis arrivée au foyer en 2007, j'étais jeune professionnelle. Et un jour, j'ai accompagné une sortie et je suis rentrée un peu tard sur le groupe. Les résidents, ils étaient déjà à table, ils m'attendaient pour manger. Et là, je rentre et je vois que Colette, ça va pas du tout. Elle est assise à sa table et elle parle d'une voix monocorde et forte. Et elle explique qu'elle en a marre parce qu'elle a bien entendu que Marguerite, tout à l'heure, elle avait regardé de travers. Et puis à la bibliothèque, la dame, elle a dit qu'elle était folle alors qu'elle n'est pas du tout folle, c'est pas vrai. Et qu'elle en a assez parce que si ça continue, elle va se tuer. Colette, elle a une schizophrénie avec de grosses tendances paranoïaques. Et quand elle est comme ça, personne ne moufte. Moi, je me dis, faut que je lui montre que ça tienne, faut que je la rassure. Donc, je vais m'asseoir juste en face d'elle et puis je commence à lui parler d'une voix monocorde, à essayer de l'envelopper dans une espèce de cocon pour lui montrer que c'est rassurant, que ça va pas exploser, qu'on est là, que tout va bien. Enfin, je sais pas ce que je fais. Je crois que j'essaye de l'hypnotiser, mais j'ai jamais été formée à l'hypnose, en fait. Alors, bon, ça marche pas trop. Et puis elle est là, elle continue à balancer, ça monte de plus en plus haut, et puis moi je vois tout au ralenti, je suis là, continuer à parler doucement, à l'envelopper dans mon cocon. Et d'un coup je la vois qui prend son verre, qui le lève comme ça, qui le jette. Et là le temps il se remet en accéléré, elle se lève, elle s'en va, puis moi je vais pour la suivre, et là je me rends compte que je pisse le sang. Alors ben je sors, je vais chercher mes collègues, j'appelle le directeur, il me dit t'inquiète pas, fais-toi accompagner aux urgences, j'arrive. Ben, il est 19h, je devais bosser jusqu'à 21h, il va pas déranger quelqu'un, il vient quoi, il sait faire. Le lendemain, je reviens au travail, j'ai 3 points de suture sur le crâne, puis on fait une réunion avec le psychologue, la chef de service, le directeur, l'équipe. Colette, elle est au lit, elle est en catatonie. Colette, quand ça va pas, quand le monde devient trop oppressant, eh ben, elle coupe tout. Elle se met dans son lit, puis on n'a plus accès. Elle nous parle plus, elle se lave plus, elle mange plus, elle prend plus son traitement, elle se fait dessus. Ça peut durer 2-3 jours, c'est pas très sécurisant, mais on sait faire en fait, on sait accompagner. Donc là, elle est dans cet état-là parce que quand même c'était assez violent pour elle. Donc on discute, on se dit bon, quand Colette elle va se lever, il va quand même falloir qu'on marque le coup parce que ok, il y a la pathologie, mais on peut pas jeter des verres sur la tête des gens, c'est pas possible quoi. Puis moi je dis je sais pas, hein, mais je pense que je m'y suis mal prise en fait hier parce que je crois que j'ai encore plus insécurisé en étant trop près là, en essayant de. Je sais pas, j'ai dû faire encore plus monter l'angoisse quoi. Puis on discute, alors on se dit bon, mais quand même, faut qu'elle puisse revenir dans le collectif, donc faut qu'il y ait une sanction. Donc bien sûr, elle va être reçue par le directeur et puis elle va devoir présenter des excuses, mais la sanction c'est pas que ça. La sanction c'est aussi pouvoir réparer puis pouvoir revenir avec les autres sans qu'il y ait du passif quoi. Donc on réfléchit. Puis je dis, moi, j'ai mal à la tête, en fait. Est-ce qu'elle peut pas m'offrir une boîte de Doliprane? Et c'est ce qu'on fait. Quand Colette, elle se lève, elle m'offre une boîte de Doliprane, et puis comme c'est aussi une grande artiste, un beau tableau au fusain. Moi, après ça, j'ai eu peur d'avoir peur d'elle. Et comme je voulais pas, ben, je me suis beaucoup investie dans la relation avec Colette. Du coup, on est rentré dans une espèce de relation assez fusionnelle qui nous a engagés toutes les deux assez loin, qui a pas été toujours hyper confortable. Mais au bout de quelques temps, on a réussi à se repositionner toutes les deux à un endroit où on se faisait plus de mal et où c'était ok pour toutes les deux. Colette, c'est quelqu'un qui m'a énormément appris sur mon métier. Et je pense que tout le temps où elle était accueillie dans ce foyer, eh ben, j'étais un élément repérant pour elle. Quelques années après, on est dans le nouveau foyer, en ville. Notre directeur, il est parti. Il a craqué parce qu'il y avait trop de pression de la direction générale. Donc on a une nouvelle direction qui est bien dans l'air du temps, celle-là. C'est midi, on est au self. C'est la fin du repas. Et à la fin du repas, c'est comme ça, on prend les plateaux et puis on les ramène sur le chariot pour que les cuisiniers n'aient pas trop de boulot. Puis il y a Joël qui est là. Joël, il a plein de problèmes. Il a des problèmes psychomoteurs, il n'est pas très à l'aise avec ses bras, avec ses jambes. Il a des problèmes de déglutition. Il n'y voit pas bien non plus. C'est la fin du repas, il doit ramener son plateau. Donc l'éducatrice lui dit « Allez hop Joël, ramène ton plateau ». Puis Joël, il aime pas trop ce moment parce que déjà il y a plein de gens qui regardent et puis il sait qu'il est pas très habile donc il râle un peu. Puis il a dit allez, si tout le monde fait comme ça, c'est la règle, tu vas ramener ton plateau.
Joël, il se lève, il prend son plateau et puis il commence à avancer vers le chariot et puis il est presque au chariot et d'un coup il lâche tout, il y a tout qui s'explose par terre. Alors l'éducatrice, elle arrive avec la pelle et le balai, elle lui dit « C'est pas grave Joël, mais tu ramasses !» Et là Joël, il commence à se balancer, à faire des petits bruits avec sa gorge. Il prend la pelle, c'est une pelle en fer. Il commence à lever la pelle. Là, je vous jure, à ce moment-là, je pense qu'on est 3-4 à se dire « Ouais, vas-y. » C'est pas bien du tout. Il faut soutenir ses collègues, mais... Bref. Donc, il prend la pelle, il la lève. Et il lui baille un gros coup de pelle sur la tête. Alors là, c'est terrible. Elle le plaque par terre. Elle, pour le temps qu'il se calme, en fait, et puis elle nous laisse pas aller l'aider pour qu'elle se calme et qu'on prenne le relais. Bon, bref, au bout d'un moment, ça se calme, il ramasse les trucs, il remonte sur le groupe, tout va bien. Et elle va rédiger une fiche d'événement indésirable. Alors la fiche... Et ouais. La fiche d'événement indésirable, ça se compose de trois parties. Donc d'abord, tu racontes ce qui s'est passé. Donc elle raconte, hein, je sais pas jusqu'où elle raconte. Ensuite, elle évalue le degré de gravité sur une échelle de 1 à 4. Et puis ensuite, elle propose une solution pour que cet événement ne se reproduise plus jamais. Donc, je sais pas, bah, comme ça, tiens, qu'est-ce que vous auriez proposé, vous, comme solution, par exemple ? Supprimer l'appel en métal. Alors, supprimer l'appel en métal. Ouais, t'es éduque, toi, non ? T'es éduque ? Oui ? Moi, je suis dans l'animation. Dans l'animation ? D'accord. Régine, tu disais quoi, toi ? Oui, j'ai pris l'appel et le balai. D'accord. Ouais, mais comment on fait le ménage, après ? Ça fait partie de l'accompagnement éducatif qui sait bien faire le ménage, tu sais. Ouais, mais ça, ouais. Ça serait un truc faisable, hein. Sauf que la loi, c'est la loi. Pourquoi il y en a qui le font et puis pas les autres, hein ? Ouais. Bah, c'est ça, en fait, hein. La solution qui a été trouvée, c'est de remplacer toutes les pelles de l'établissement par des pelles en plastique. Non, mais ils l'ont fait, hein. Eh ouais, mais c'est dramatique, parce que déjà, on apporte une solution matérielle à un problème qui, visiblement, aurait mérité un petit peu plus de réflexion, je sais pas. Puis surtout, on passe d'une gestion collective à une gestion individuelle. Parce que du coup, il y a qu'elle qui raconte le truc, et puis qui propose des solutions. Je te jure que c'était ça. Voilà, Radim, c'était ça. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que ça a été fait. Tu vois, parce qu'à la limite, elle peut proposer, et puis tu peux dire non, mais c'est débile. Mais non, c'est. En plus, c'est nul parce que ça coûte des sous de remplacer des pelles en plastique. Parce que les pelles en fer, au moins, c'est solide en fait. Hein, c'est... Et du coup, ça veut dire qu'on nie complètement le rôle de l'équipe en fait. Il n'y a plus de travail en équipe, c'est pas la peine. On nie aussi le statut de la relation et de l'interaction qu'on engage avec les gens. En fait, ce qui se passe, c'est que la démarche qualité, elle ignore superbement le travail réel. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre le travail réel et le travail prescrit. Il y a des sociologues qui parlent de ça, mais en fait, il n'y a pas besoin d'être sociologue pour savoir que dans le travail social, si tu fais que ce qui est prescrit, en fait, tu ne fais pas ton travail. Le travail prescrit, ça devrait être l'objectif, pas le mode opératoire. Puis notre travail, il ne faut pas déconner, c'est quand même d'accompagner les gens selon leurs besoins. Donc en fait, tu ne trouveras jamais un protocole adapté aux besoins et à la singularité de chaque personne. Et tu ne trouveras jamais, surtout, un protocole adapté à la singularité de la relation que tu mets en place avec les personnes. Parce que moi, j'en ai un peu ras-le-bol, quoi. J'en ai marre d'entendre qu'on est des techniciens de la relation. On est des techniciens de rien du tout. Et puis je trouve qu'il faut arrêter de dire aux jeunes qui arrivent en formation qu'il ne faut pas être dans la réparation. Moi, je connais aucun travailleur social qui n'a pas un truc à réparer. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on ne réparera jamais rien, mais qu'on essayera toujours, chacun avec nos bagages. Parce que pour moi, c'est ça qui garantit la qualité dans l'accompagnement. Et puis nous aussi, on en a des fondements philosophiques. Moi, il y en a un dont j'ai envie de parler, là, qui s'appelle la psychothérapie institutionnelle. D'accord. Non, mais t'as le droit. Alors, la psychothérapie institutionnelle, c'est un mec qui s'appelle François Tosquelles. C'était un réfugié catalan de la guerre d'Espagne. Il faisait partie du POUM, c'était les marxistes. C'était un psychiatre et un psychanalyste. Et il est arrivé à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban, qui est le gros hôpital psychiatrique de la Lozère, en 1939. Et là, il fait un truc complètement fou. Il ouvre les portes. Les fous, ils sortent dans le village et ils ont une utilité sociale. Ils vont travailler avec les gens du village.
Le cinéma du village, il est dans l'hôpital. Ce qui fait que les gens du village, ils ont aussi des liens à l'intérieur de l'hôpital avec les gens qu'on dit fous. Dostoïevski, il dit un truc hyper important. Il dit, il nous faut marcher sur nos deux jambes, Freud et Marx. Ça veut dire que, il faut pas, quand t'accompagnes quelqu'un, oui, à la pathologie, c'est important de regarder la personne, quelles sont ses difficultés, mais c'est vachement important aussi de compter avec le contexte social, le contexte économique et le contexte politique. Ce qui fait que lui, dans sa manière de gérer les soins, il y a des réunions avec les patients et les soignants pour organiser la vie dans l'hôpital. Toskes, il dit aussi un truc hyper important aux élèves infirmiers et éducateurs qui viennent se former avec lui. Le premier truc qu'il leur dit, c'est « qu'est-ce que tu fous là ?» Parce qu'on n'est jamais là par hasard. Moi, il y a 2-3 ans, là, je suis allée faire une formation, et la nana qui présente la journée, la formatrice, elle commence en disant « le travailleur social, c'est un acteur politique. » Et moi, je me dis « un discours novateur, quoi !» Et puis je vais pour lui dire ça, et au moment où je vais lui dire ça, je me dis « n'importe quoi, c'est pas du tout novateur, moi, j'ai été formée comme ça !» Le seul truc, c'est que ça fait 10 ans qu'il n'y a plus aucun espace pour penser et dire ces trucs-là, quoi. Parce que, c'est sûr, l'éducation spécialisée, elle a une histoire qui est un peu... qui n'est pas aussi linéaire que ça. Je veux dire, ça vient d'abord du carcéral et du caritatif. C'est-à-dire que les enfants qui naissaient handicapés dans les familles, comme c'était un châtiment de Dieu, ça voulait dire que c'était honteux, ils les planquaient chez les bonnes sœurs qui s'en occupaient. Et puis les enfants qui avaient un peu des problèmes sociaux et qui vagabondaient, on les mettait dans des bagnes d'enfants. Puis ensuite, dans les années 60-70, il y a des gens qui sont arrivés, qui étaient passés par l'usine, qui avaient un peu une culture politique, qui avaient vu ce que c'était la lutte des classes et tout ça, et qui sont arrivés dans ce métier-là, je sais pas moi, des Deligny, des Freiné, des gens qui remettaient en question les structures et les institutions, et eux, ils étaient là pour faire de l'émancipation et de la transformation sociale. Moi, c'est pour ça que je suis allée bosser là-dedans. C'est de ces gens-là que je me revendique. Nous, on a deux grandes lois dans le médico-social et le social. Il y a la loi de 75 qui encadre un peu l'action sociale et médico-sociale, et puis il y a la loi du 2 janvier 2002. Alors, la loi du 2 janvier 2002, elle réaffirme les droits des usagers. Comme quoi, c'était pas si évident que ça. La loi du 2 janvier 2002, moi, j'étais en formation juste après qu'elle arrive, et puis... le truc qu'on te dit, c'est que la loi du 2 janvier 2002, elle place l'usager au centre du dispositif. Moi, tout de suite, j'entends l'humain au cœur des préoccupations, quoi. Eh ouais. En fait, non, c'est pas ça, hein. Parce que bon, c'est quand même la loi de 2002 qui introduit les démarches qualité dans les établissements. C'est elle qui instaure aussi les livrets d'accueil. Alors les livrets d'accueil, c'est un outil génial. C'est comme quand tu vas en vacances dans un hôtel, en fait. Quand t'es un résident qui va entrer dans un établissement du médico-social, t'as un livret où on t'explique toutes les prestations auxquelles t'as droit. Comment ça fonctionne la lingerie, les horaires des repas, enfin, tous ces trucs-là, quoi. On te dit aussi que, en tant que personne accueillie, en tant qu'usager, tu participes aux instances décisionnelles de l'établissement. Oui. On te dit pas « amène ton costume de plante verte ». La loi du 2 janvier 2002, elle introduit tout ça, quoi. La participation des usagers, surtout. Alors, la participation des usagers, c'est un truc génial. Il y a une nana qui fait une conférence qui s'appelle Selma Reggie. C'est le nom de la nana, pas de la conférence. Et elle a une définition de la participation qui est géniale, et du coup, je lui pique. Elle dit « la participation, c'est dire à quelqu'un « on te donne la parole » et mettre toutes les conditions en place pour surtout que tu puisses pas la prendre, quoi. » En fait, c'est ça qui se passe. Linda, par exemple, elle participe au COPIL. Le COPIL, c'est le comité de pilotage de la démarche qualité. Moi, j'ai démissionné. Moi, j'ai fait un beau courrier à ma nouvelle direction en expliquant que pour moi, c'était une démarche essentiellement rentable et capitaliste et que je voulais pas du tout participer à ce truc-là. Mais bon, il y a des gens qui ont pris le relais, donc tout va bien. Et Linda, elle va au comité de pilotage, quoi. Moi, je les ai, les comptes rendus des comités de pilotage. Alors, un jour, à l'atelier, je lui dis « Mais Linda, tu comprends ce qui se dit pendant ces réunions ?» Je dis « Ben non, mais c'est normal !» Je dis « Ben, comment ça, c'est normal ?»« Ben non, c'est pas normal que t'ailles à des réunions auxquelles tu comprends rien. » Elle me dit « Oui, mais tu comprends, si commence à m'expliquer tout, ça va durer hyper longtemps. » Puis, heureusement, des fois, je suis assise à côté de l'homme d'entretien, puis il m'explique.
On fait des réunions aussi sur les groupes avec les résidents. Alors, une fois, il y a eu une réunion, on leur a posé une question très importante. On leur a demandé s'ils étaient d'accord pour que la porte qui donne sur leur groupe soit de la même couleur que le conteneur qui amène les produits du petit déjeuner le matin, parce que ça aiderait les stagiaires résidents à mieux se repérer dans l'établissement. Donc, avant de leur poser la question, on leur dit que bah, si on leur demande, c'est parce qu'ils ont des droits et que c'est vachement important qu'ils donnent leur avis quand même. Donc, ils sont hyper reconnaissants. On ne pense pas à leur demander qu'est-ce qui, à leur avis, aiderait les stagiaires résidents à mieux se repérer dans l'établissement. On ne pense surtout pas à les consulter sur des questions qui les concernent et sur lesquelles ils auraient un pouvoir d'agir réel. Hein. Non, on leur demande juste de valider un avis qui a été posé par des gens qui n'ont même pas été élus démocratiquement pour le faire, au passage. Il y a Marguerite, par exemple. Marguerite, elle adore Noël. Marguerite, elle n'a pas vécu longtemps avec sa famille et les seuls souvenirs qu'elle a d'un peu sympa, c'est les Noëls avec ses parents. Mais Marguerite, c'est une adulte. Alors quand on est une adulte, eh ben, ça va, on n'est plus une enfant, hein, donc on achète ses cadeaux de Noël, on les emballe. Bon, c'est encore nous qui les mettons au pied du sapin, mais bon, faut pas l'infantiliser non plus, quoi. Marguerite, une année, il lui restait de l'argent sur son budget cadeau, alors avec ma collègue, on lui a dit « Marguerite, est-ce que tu voudrais qu'on te fasse des surprises ?» Alors elle était toute contente, elle nous a dit oui. Et c'était génial parce que le matin de Noël, elle a ouvert les cadeaux qu'elle connaissait, et puis en plus, elle a trouvé... une robe de chambre toute douce en moumoute, un nounours, elle était super contente, quoi. Marguerite, il y a un truc qu'elle adore aussi, c'est prendre sa douche et se mettre en pyjama avant le repas du soir. Mais ça, c'est pas possible. Ben non. Je sais pas, tout le monde le sait, c'est écrit dans le guide de l'adulte moyen, non ? Personne ne se met en pyjama avant le repas du soir. Mais Marguerite, elle aimerait bien qu'on parle de ça en réunion. Non, mais Marguerite... Tu crois pas qu'on a déjà assez de boulot comme ça, non ? Moi, j'ai une direction qui manie hyper bien les outils de participation à destination des salariés. Une fois, ma direction, elle vient me voir et elle me dit « Madame Rieux, j'ai une autorisation à vous demander. » Là, je me dis « Waouh, ça doit être sur un sujet hyper important. » Donc, je suis un peu flattée, quand même. Genre, ma direction, quand même. Et du coup, là, elle m'explique que la rangée de sauge qu'on a plantée à côté de la baie vitrée, quand il pleut, ça éclabousse, ça met des gouttes de boue sur la baie et ça embête les personnes qui font le ménage, quoi. C'est un peu embêtant. Donc, est-ce que je suis d'accord pour qu'elle déplace l'allée d'un mètre ? Là, je me dis, si je lui dis non, il se passe quoi ? En fait, pour la porte, les résidents, ils ont répondu oui, qu'ils étaient d'accord. Vous pouvez y aller pour la dernière question. Je vous demanderai de bien vouloir ensuite lire la conclusion qu'il y a derrière. Merci. Alors, rubrique 3, compétences éco-citoyennes. 164. Chaque individu a pu exposer au groupe en arrivant les stratégies mises en place pour que sa présence à la conférence ait l'impact le moins nocif possible vis-à-vis de la planète. Réponse A, acquis partiellement. Réponse B, à améliorer. B. De façon unanime, la réponse est B. Très bien. Quels axes d'amélioration vous imaginez ? Ah bah, qu'il ne suffit pas de cocher deux cases non plus. Hein. Pardon ? Venir à vélo. Bah, est-ce que tout le monde a envie de venir à vélo ? Est-ce que tout le monde a un vélo ? Une boîte à idées, oui, c'est une très bonne idée, effectivement. Surtout si on ne l'ouvre jamais. Moi, je trouve que c'est parfait. Ça rentre bien dans le protocole. Merci beaucoup. Je pense que vous serez la prochaine après Sarah. Ah, pardon. Ah, d'accord. Ok, merci de votre sincérité. En tout cas, nous vous remercions de votre engagement et de votre participation. Nous reviendrons vers vous très prochainement pour vous communiquer les résultats de l'évaluation faite par nos experts de votre auto-évaluation. Vous pouvez d'ores et déjà envoyer un chèque d'un montant de 2000 euros à notre cabinet en prévision de la visite de contrôle qui ne saurait tarder.
Bon, moi, en fait, j'ai fini par craquer. Ce que je faisais à l'atelier, surtout, c'était improviser. Bah, nous, les éduques, on est un peu feignants, tout le monde le sait. Donc, moi, à l'atelier, bah, j'accompagnais ce qu'ils amenaient, quoi, ce qu'ils avaient envie. Je les aidais à organiser le travail. On faisait une réunion le lundi pour organiser le travail, mais ce qu'on faisait surtout, c'était discuter, argumenter, prendre des décisions, projeter des choses, construire ensemble, et puis surtout les amener à vraiment discuter et se positionner. Pas à prendre toujours l'avis de celui qui parlait le plus fort ou de celui qui parlait en dernier, parce que ça, c'est l'éduc en général. C'était facile. C'était facile tant que ça restait là, qu'on était ensemble. Mais dès que je sortais de l'atelier et que je me retrouvais dans cette espèce de monde où on devait tout quantifier, tout évaluer, où tout allait vite, où on ne pouvait pas se planter, ni réfléchir, où on n'avait plus d'espace, et ben, ça devenait hyper compliqué. Ma direction, elle voulait que je lui explique en septembre ce qu'on allait faire au mois de mars. Moi, je disais, mais c'est pas possible. C'est pas possible, moi, je ne sais pas du tout où ils en seront au mois de mars et ce qu'ils auront envie de faire. Je peux vous donner le calendrier des récoltes, si vous voulez, ça, c'est un peu toujours pareil, il n'y a pas de souci. Dire ça, oui, ça je sais. Et puis, puis vous l'avez le projet de l'atelier jardin. Vous les connaissez les objectifs. Ça, vous le savez. Le reste, bah, c'est notre soupe. C'est notre affaire. Moi, du moment que je réponds aux objectifs que j'ai écrits et que vous avez validés, bah, il est où le problème, en fait? On a fait des trucs super dans cet atelier. Une année, on a fait un petit mot qu'on allait mettre à la coopérative agricole où on écrivait « Nous, on veut bien cueillir les pommes que vous ramassez pas, puis on va aller les presser, faire du jus, et puis en échange, on vous en donne une partie. » On a récolté 400 kilos de pommes. C'était génial. On est parti après dans un atelier agroalimentaire aux normes. On a tout pressé avec des vraies machines. On a eu 200 litres de jus. Il était excellent. On le sortait chaque fois qu'il y avait une fête ou une occasion. Colette, elle nous avait fait des super belles étiquettes. On était hyper fiers de nous. Et puis, vers chez moi aussi, il y a un jardin pédagogique et de temps en temps, ils organisent des chantiers participatifs avec les habitants du village et une fois, on y est allé. Alors là, le truc, c'était de faire une spirale d'aromatique. Donc, ça voulait dire construire des barrières en sol, encore un truc qui stresse, moi j'aime bien, et sur une butte en terre comme ça, puis après planter des aromatiques. Puis on arrive là-bas et ils disparaissent, je les vois plus de la journée. Ils vont planter des piquets avec les vieux, ils vont tchatcher avec les enfants, enfin, ils font leur train, quoi. Puis moi, je me dis, bah voilà, ça y est. C'est ça mon métier, quoi. Ils n'ont plus besoin de moi. Puis avec l'animatrice, on se dit, bah, ça serait génial si on travaillait ensemble. Si nous, on venait de temps en temps sur les chantiers du village, et si vous, vous veniez au jardin pour nous aider à monter des projets. Donc j'en parle aux résidents, ils sont d'accord, et puis on écrit un projet, on le donne à la direction. Et puis on n'a jamais eu de réponse. Alors moi, il y a un matin où j'ai pas réussi à me lever pour aller travailler. Et comme ça, c'était pas prévu non plus, et ben j'ai pas pu leur dire au revoir. Alain Desjardins, la dernière fois que je l'ai vu, c'était pour ses 80 ans. Il avait fait une grosse fête sur le Larzac. Il y avait tous les vieux militants. Et c'était super. Je suis venue là-bas, j'ai pu montrer le lieu à ma famille et j'étais très contente de retrouver toute cette ambiance-là. Il m'a raconté que depuis quelques années, il avait monté une association avec un appelé et un archi, et qu'ils allaient dans les collèges pour raconter la guerre d'Algérie. Et qu'il était hyper étonné parce que les enfants, ils restaient souvent après l'heure, parce qu'on ne leur avait jamais raconté leur histoire. Et puis il est mort 4 ans après et on ne s'était pas revus. Alors j'ai pas pu lui dire non plus que moi aussi j'avais essayé de rien trahir, que ça n'avait pas toujours été simple, mais que là, ça devenait carrément compliqué. Parce qu'avant, j'avais l'impression qu'on était plein derrière quand je tenais des positions, que je défendais des trucs et tout ça. Et que bah, depuis qu'il n'était plus là, bah, je me sentais un peu seule, quoi. C'est ça que je suis venue vous raconter. Je suis venue pour vous dire que je crois que la démarche qualité, c'est pas du tout une science. C'est pas non plus un outil. Enfin, si, c'est un outil, mais c'est pas un outil au service des personnes qu'on accompagne ni des professionnels. Je pense que c'est une idéologie masquée au service du capitalisme. Je pense que c'est un outil qui sert à dépolitiser les espaces collectifs, les espaces de travail, parce que comme ça, on peut pas s'opposer quand on démantèle
un métier et quand on cherche à faire du profit sur des trucs qui a priori sont pas rentables ou vont pas être lucratifs. Je pense que c'est en train de réussir. Je pense que c'est un processus d'acculturation. Je vous ai parlé, je sais pas, du triangle de l'implication. Vous savez que les professionnels, ils sont impliqués à partir du moment où ils trouvent du sens à leur travail et que pour ça, il faut qu'ils aient des repères et le sentiment de maîtriser ce qu'ils font. Je crois que c'est ça qui est en train de se passer, un changement radical des repères qui fait qu'il y a une perte de sens et qu'on ne maîtrise plus les situations professionnelles pour lesquelles on a été formé quand même. Le truc, c'est que ce machin-là, il est partout. Dans les écoles, dans les universités, à l'hôpital, dans le médico-social. C'est du taylorisme, en fait. C'est du taylorisme appliqué à la pensée. C'est-à-dire qu'on va obliger les gens à se concentrer sur des petits segments de pensée, et comme ça, ils n'ont plus la vision globale de ce qui sous-tend leur pratique, tout ce qui est économique, politique, social, ils ne le voient plus. Et puis, c'est hyper compliqué de se trouver légitime en collectif pour défendre des valeurs professionnelles, une culture partagée, du savoir-faire, ben quand on n'est plus que sur des petits segments. Qu'est-ce qui reste de collectif ? Moi, je crois que l'objectif de tout ça, c'est de faire du profit sans entrave sur le dos d'espaces où il n'y a pas possibilité de faire du profit normalement. Parce que, en fait, on entend souvent que la démarche qualité, ça sert à faire des économies dans les structures, et moi je crois que ça, c'est pas vrai du tout. Le foyer où je bossais, on est passé de 200 euros de prix de journée à 190 euros. Donc j'ai calculé, hein, ça fait une économie de environ 115 000 euros sur une année, sur un budget de 3 millions. Dans le même temps, on a réduit le taux d'encadrement, c'est-à-dire que là où il y avait des équipes de 4 personnes, elles sont plus que 3. Là où il y avait des postes, il y avait 5 postes d'EDUXPE, elles sont plus que 2,5. On embauche des gens qui sont moins qualifiés. Ça ne veut pas dire qu'ils font moins bien leur boulot, hein. Ça veut juste dire qu'on les paye beaucoup moins cher. Quand tu fais tout ça, en fait, tu réalises une économie qui est plus importante que 115 000 euros, j'imagine. Ben, ça veut dire que l'argent, il part ailleurs. Ça veut dire qu'il passe sur des tâches administratives, sur du paiement de logiciel, sur de l'achat de prestations externes, du consultant, enfin voilà, des trucs. Tous ces trucs-là, quoi. Alors, tout ça, bien sûr, ça maltraite les professionnels, mais ça exclut aussi, de fait, les gens qui auraient le plus besoin qu'on s'occupe d'eux. Je vous parlais de Kader tout à l'heure. Kader, c'est quelqu'un qui avait une grosse pathologie, un traitement lourd, neuroleptique. On savait que dans sa jeunesse, il avait eu des passages à l'acte hyper violents. Depuis 15 ans, ça se produisait plus, en fait. Parce que Kader, on savait l'accompagner. On connaissait son fonctionnement, on voyait quand est-ce qu'il allait être en insécurité. Les dernières années, comme il n'y avait plus tout cet espace-là contenant, parce qu'on était beaucoup moins et puis occupé à faire autre chose, Kader, il a eu plusieurs passages à l'acte très violents, et maintenant, Kader, il est en institution psychiatrique, et il n'en sortira plus. C'est un gars qui a une cinquantaine d'années, mais moi, j'ai vu arriver des petits jeunes de 20 ans dans ma structure où ça a été le même... la même histoire, hein, alors que je pense qu'il y avait des choses à faire avec eux. L'autre fois, je discutais avec une élève éduc, et elle m'expliquait comment elle faisait les transmissions à ses collègues le soir. Alors, elle ouvre un logiciel, il y a 4 grands ou 5 grands items qui se déroulent avec 4 propositions, et dans chaque proposition, il y a 7 sous-propositions. Elle m'explique qu'elle coche tous les jours 35 cases par personne. Donc en fait, quand on est là, ça veut dire que tu coches du factuel et que tout ce qui est de l'analyse, de l'hypothèse, ça passe à la trappe. Voilà. C'est moi qui fais ça. Moi, en fait, j'ai pas de solution parce que ça serait génial, mais j'en ai pas. Par contre, j'ai des intuitions. Et mon intuition la plus forte, c'est que faut à tout prix qu'on recrée du collectif. Qu'on puisse se retrouver pour repenser, mettre en récit nos métiers, se réapproprier de la pensée politique. Le problème, c'est que ça, on peut plus le faire à l'intérieur des structures parce qu'il n'y a plus d'espace sécurisé. Je me rappelle au début où je travaillais au foyer, c'était facile de mobiliser les gens parce qu'en fait, c'est des gens qui, ça faisait peut-être 30 ans des fois qu'ils bossaient ensemble, ils avaient milité des fois ensemble, ils avaient fait des enfants au même moment, ils avaient fait la fête, ils avaient perdu des gens et ils s'étaient soutenus, il y avait un commun, un vécu commun.
Et ça, c'est de plus en plus difficile d'avoir ça maintenant parce que les plannings, ils sont décalés. Enfin, voilà, il n'y a plus rien qui est commun. Alors, je me dis, il faut qu'on fasse ça autour de bouffe, tant pis, en dehors du boulot, même si c'est du temps perso, de bouffe, de discussion. Enfin, il faut un larzac à nous, quoi, un endroit où on se réapproprie les trucs, où on se re-raconte c'est quoi nos savoir-faire, c'est quoi notre engagement dans le métier. C'est vachement important. Tous les jours, moi, presque tous les jours, pas tous les jours, mais presque tous les jours, sans mentir, je rencontre des gens dans plein de domaines professionnels différents qui m'expliquent à quel point ils vont pas bien et qui analysent toujours ça par le fait que on leur demande de faire des choses qui n'ont rien à voir avec leur métier. On est plein individuellement à avoir la même analyse de ce truc-là. Moi, je me dis, quand est-ce qu'on se regroupe, en fait? Quand est-ce qu'on le fait? Parce que la pensée dominante, elle essaye de nous faire croire que si on est en souffrance au travail, c'est parce qu'on est trop dans l'affect ou pas assez dans la distance. Moi, j'ai 20 ans d'expérience. Mes affects, mes émotions, mes ressentis, mon engagement, ben, je les revendique comme des outils professionnels. La souffrance au travail, elle ne vient pas de là. La souffrance, elle vient de la colère. De la colère qui est légitime et qu'on nous empêche de dire. Parce que moi, je trouve, et même dire, mais même de la pensée, c'est même plus possible de la penser, cette colère-là. Alors que moi, je trouve que c'est légitime d'être en colère partout où il y a un pouvoir abusif qui s'amène là, qui piétine tes valeurs, tes savoir-faire, qui t'impose une histoire qui n'est pas la tienne. Ça, c'est un truc universel. Moi, j'ai été obligée de partir, en fait. Parce que mon métier, je l'aimais comme il était. Je l'aimais parce qu'à la suite de plein d'autres gens, on pouvait tout le temps le réinventer. Pas répéter tout le temps les mêmes protocoles, c'est pas ça du tout, c'est exactement le contraire. Pour moi, c'était l'aboutissement logique de tout ce que j'avais appris en termes de collectif, de politique, de militantisme. C'était l'endroit où ça pouvait se vivre. Alors, c'est vrai, j'ai pas pu leur dire au revoir, mais je les ai toujours gardés un peu avec moi. Puis là, je veux bien continuer à les embarquer, en fait. Prendre Vasco. Pierre-Édouard. Kader. Colette. Puis Linda. Joël. Et puis Marguerite. Je continue à les porter, hein. Je ne les ai pas oubliés. Et puis tant que j'y suis, avec moi, je veux bien embarquer aussi tous les gens qui ont essayé de continuer à penser et à qui on a fait du mal. Tous les copains et les copines. Dorian, Martine, Christophe, Toinette, Claire, Béatrice. Parce que la qualité en vrai, c'est eux. C'est nous. Je veux dire un petit mot parce que c'est pas toujours que j'ai la parole aussi longtemps. Donc c'est juste pour dire merci à l'ardeur, à Gatia et Franck parce qu'ils ont été vachement là, mais même aux autres en fait, qu'on a pu rencontrer au début du stage et que moi j'ai trouvé hyper attentif à ce qu'on venait faire là et je trouvais ça super. Et puis dire que vraiment la conférence gesticulée, c'est. Je voulais aussi dire merci au groupe en fait, parce que la conférence gesticulée, ça n'a pas l'air comme ça parce qu'on est tout seul là, mais en fait c'est vraiment un travail collectif, c'est vraiment une écriture et une construction collective, et ça c'est génial de vivre ça en fait. Voilà, donc merci.
Ouais, bah,